Salut tout le monde, bienvenue à tous pour un nouveau podcast avec aujourd'hui en invité quelqu'un qui a quand même une bonne renommée dans le monde du catch et attention parce que ce n'est que le début, notre ami Sylvain Guernalec. Salut Sylvain. Salut, bonsoir à tous. Ça va? Bah écoute, ça va, et toi? Bah écoute, ça va, comme après un week-end de Pâques, donc j'ai bien mangé, j'ai bien bu, sans alcool bien sûr. Et voilà, et je suis prêt à repartir au boulot demain, malheureusement. Et je me prépare tranquillement, mais sûrement, au show de Bercy, où je serai, bien sûr, aux côtés de Philippe Chiraud et Christophe Agius, pour faire un petit coucou aux fans et aller regarder un bon show de wrestling. Ah oui. Et puis également, vu que vous me donnez la place pour m'exprimer, et également, je vais regarder, pas en live, parce qu'il faut que je dorme, hein, j'ai besoin de mes 7 heures de sommeil à peu près, mais je vais regarder demain ce qui s'est passé du côté de Monday Night Raw et du retour d'un ancien champion WWE, d'un ancien champion poids lourd de l'UFC, on le répète, et on va voir ce que ça va donner parce qu'on est déjà en train d'aligner un petit peu les planètes pour le WrestleMania de l'année prochaine. Donc good times people, good times. Et donc avec moi pour ce soir pour m'assister et faire leur petit speech aussi à propos de Sylvain, donc successivement Babat. Salut Sylvain, salut les bros, salut les sistas. Salut Babat. Rock Mortis. Salut à toutes et à tous, et bien sûr salut Sylvain. Hello. And last but not least, j'ai nommé Morin. Et voilà, le meilleur pour la fin. Eh bien, salut Sylvain, salut à tous ceux qui nous écoutent. Et puis bah voilà, j'espère que vous êtes chaud pour un podcast du tonnerre. Et non, donc effectivement, hein, le meilleur pour la fin. Et donc moi-même, Lexus. Voilà. Bon, alors là, ça commence. Donc, alors, si Morin est le fromage, Lexus le dessert, moi je suis le petit digestif pour digérer à la fin. Ah, mais oui, oui, t'es complètement. Mais avec modération. Ah mais complètement, avec modération. Ah ouais, donc en gros dans la carte je suis le plat de résistance, le truc lourd quoi en fait. Ça, toi t'es la potée auvergnate. Putain, voilà. Je suis l'entrée. Toi t'es les flageolets avec... Les flageolets. Voilà. Oh non. Et Baba c'est des carottes. Je préfère des lentilles, hein. C'est pas grave, des lentilles. Ça manquait si tu veux. Putain, je suis la quiche lorraine d'entrée quoi. Baba c'est les tomates mozzarella. Bref, moi c'est... il est temps maintenant de, histoire que tous les auditeurs se connaissent bien, de faire une petite biographie de toi-même. D'accord, alors juste avant qu'on commence, parce que sinon elle va m'arracher les yeux, petite dédicace à Lilik qui est sur Facebook et sur Twitter. Et voilà. Pardon. Elle en a des dédicaces celle-là, hein. J'en profite alors, hein. Moi aussi je vais faire une petite dédicace si vous en avez aussi à faire les mecs, hein. Moi j'en fais une à Elisa et à Emily, voilà, puis bah je crois que c'est tout, ouais c'est tout. Non, puis à Darren. C'est déjà pas mal. À Darren aussi, voilà. Si vous en avez, hein, les amis, allez-y, avant qu'on commence. Ah, moi, la dédicace est déjà passée, hein, donc. Pour Lily, quoi. Attends, une dédicace à toute l'équipe. Moi, je passe une dédicace à toute l'équipe de Catch Attack et de Puissance Catch, donc à mes deux collègues Christophe et Philippe, qui ne m'écoutent pas au moment où on se parle, mais qui écouteront probablement l'émission. Et s'ils ne l'écoutent pas, de toute façon, quand je les verrai, je la leur ferai écouter. Voilà. Degré ou de force avec un couteau sous la gorge. Ouais, je vais leur mettre le casque sur les oreilles, je vais les menotter, je vais leur dire bon bah maintenant écoute, t'as plus le choix. C'est comme ça. Évidemment, c'est vrai qu'il faut pas les oublier. Non, bien sûr. C'est juste une voilà. Casse à eux qu'on adore. Et ouais, à toi voilà, aussi pour la gentillesse de, c'est ça. De venir nous donner de ton temps. Bah, je vous en prie, moi ça me fait plaisir également. Plaisir partagé. Donc, bon, je pense qu'on peut maintenant s'en retourner vers la biographie de notre grand Sylvain Guernalec, monsieur Sylvain Guernalec. Oui. Donc, Sylvain,
Tu es né le 8 septembre 1982 dans le 19e arrondissement de Paris. Donc après avoir vu le jour dans la pollution et la grisaille de la ville, tu t'es réfugié dans la pâte à crêpes et tu as donc grandi en Bretagne. Quelques années plus tard, tu pars faire tes études à Angoulême, puis ton esprit vagabond te fait faire un master marketing communication qui te verra sillonner les airs entre la Californie et l'Angleterre. Tu as par la suite vécu à Los Angeles, Bournemouth, une ville du sud de l'Angleterre, et puis à Dubaï, où ton projet de faire ériger une statue de 284 mètres de haut de toi-même a malheureusement été vite avorté. Les enfoirés, ils auraient dû faire ce tour. Ah, c'est des méchants. Hein. Donc, tes 7 ans passés à l'étranger t'ont apporté une maîtrise parfaite de langue de Shakespeare. Indeed. Puis t'as vu. Je vais commenter à chaque fois, hein, t'inquiète pas. Ah, mais y a pas de problème, tu es chez toi. Et donc, ensuite, après donc, tes 7 ans à l'étranger, te viennent tes premières expériences catch, hein, tout ce qui est contribution au magazine Catch Mag, création de Catch Evolution, commentateur pour les DVD de la New Japan Pro Wrestling, contributeur au podcast anglais Ministry of Slam, et désormais pour Catch au quotidien, hein, faut quand même faire le petit pub à nous. Et tu es également commentateur du duo bien connu de commentateurs donc, sur NT1, mais également pigiste dans le monde du MMA. Donc le cinéma a eu l'homme qui valait 3 milliards. Et nous avons l'homme qui cumule 3 milliards d'emplois. C'était pas un blockbuster, mais c'est quand même assez impressionnant. Merci. Et t'as pas encore tout vu, hein. J'aime m'occuper. Tu as plein de facettes. Oui. Et donc ton Twitter, pour ceux que ça intéresse, je pense que ça intéresse beaucoup de monde d'ailleurs. C'est vrai. Ton Twitter, c'est @SylvainGuerne. Et ton Facebook, c'est SylvainCatchEvolution. Alors, petite anecdote, hein, quiconque veut te faire plaisir peut t'offrir une bonne bouteille de whisky. Donc, nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération, c'est-à-dire pas plus d'un verre à la fois. Exactement. Donc, maintenant, on va passer à quelques questions rapides à propos de toi, donc au tac au tac, du catch, des deux, enfin, soit de toi, du catch, des deux, voilà, un peu tout. Yep. Donc, comment as-tu découvert le catch ? À la télé, un épisode de Superstars en 91 avec Jake Roberts qui était dans le ring et il m'avait fait flipper. Ton catcheur préféré Bret Hart. Ton match préféré Un match avec Bret Hart face à Shawn Michaels à Anaheim pour WrestleMania 12. Ta diva préférée Je peux en choisir deux, Mickie James et Trish Stratus. Donc le moment qui t'a le plus ému. Alors, il y avait eu le show en l'honneur de Eddie Guerrero, pour son décès, et dans le même ton, le show pour Owen Hart. Les deux shows remémoration de leur carrière et de leurs accomplissements dans la vie. Le moment qui t'a le plus déçu Le moment qui m'a presque fait abandonner le catch, et ça implique Bret Hart, c'est le Montreal Screwjob. Alors maintenant, des questions un petit peu plus personnelles. Hein. Accroche-toi parce que ça envoie du lourd. 1m75. 72 kilos, les yeux noirs, les cheveux bruns. J'aime dire, et je l'ai dit de temps en temps à l'antenne, je suis breton plus beurre que breton. Alors, pardon. Breton pur beurre plus beurre que breton. Cherchez l'erreur. Voilà. Et donc, bah, tiens, en parlant de cuisine, crêpes sucrées ou salées? Les deux. Londres ou Paris? Paris. Panam. D'ailleurs, belle victoire de Paris hier soir face à Marseille. Ouais, on va éviter d'en reparler de ça. Le foot, c'est... Je suis un supporter de l'OM. Et malheureusement... Non, mais bon. Non, je suis un supporter de l'OM, mais pas fanatique. Et la moitié du staff de Catch au quotidien supporte Lyon. Aussi. Et moi, je suis fier de dire que je ne suis pas le foot et que je ne supporte aucune équipe. Moi non plus. Morin, copain. Je vais pas vous donner mon avis sur Valbuena dans ces cas-là, sur Brandao, sur Gignac. Hein. On va continuer. Moi, j'ai pas touché. Très franchement, tu peux. C'est vrai. Voilà, oui. Valbuena, il se jette par terre. On dirait Laure Manoudou dans une piscine. Meilleur nageur. Brandao. Brandao, il a des pieds en bois, c'est une catastrophe. J'arrive même pas à croire qu'ils aient rappelé ce gars-là pour être à la pointe de l'attaque. Et Gignac, pour lui, c'est le week-end de Pâques tous les week-ends. C'est l'arnaque. Il n'arrive pas à se retrouver en forme. C'est l'arnaque. Voilà. Alors, s'il y a des gens de Marseille qui écoutent ce soir, moi je vais me faire tailler un costard. C'est pour ça que je reste à Paris. Hein. J'aime bien la petite parenthèse de football. Donc ensuite. Ce soir, j'ai décidé de vous pourrir votre podcast. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Génial. On va se mettre à 5 pour la pourrir si tu veux.
Plus c'est pourri, plus on aime. On fait un marathon, ça va durer 22 heures. Oh, ça va être long. C'est ma copine qui va faire la gueule. Tu feras un bisou de notre part. Alors ensuite, Sylvain, plutôt Bretagne Nord ou Sud? Finistère Sud. Chat ou chien? Oh, les chiens, moi je suis un amoureux des chiens. Moi, quel genre de chien? Quel genre de chien? Gros chien, petit chien? Ah, gros chien. Bosseron, berger allemand, les labradors. Les bernois, t'aimes bien? Ah ouais, c'est ça. Ah, on va être copains alors. Parce que les chats, ça ne sert à rien. Faut dire ce qui est. Alors, j'aime pas Marseille. Enfin, j'aime pas l'OM. Hein. C'est pas que j'aime pas Marseille. Hein. J'aime pas l'Olympique de Marseille. J'aime pas les chats. Les chats, ça perd ses poils. C'est sale. Non. Bon, bref. J'aime pas les chats. Donc, vive les chiens. Voilà. Attention, la dernière question hein, que tout le monde se pose, que tout le monde a envie d'avoir à te dire et à te poser. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Oui, mais écoute, ça va bien, merci. Alors, j'ai l'impression que j'ai un début de mycose au pied. Les orteils du pied gauche tire la tronche. Je sais pas à quoi c'est dû. Donc, voilà. Non, mais à part ça, ça va. J'ai un chewing-gum dans la bouche parce que j'ai un peu la pâteuse, parce que j'ai beaucoup mangé aujourd'hui, comme je vous le dis. Mais sinon, ça roule. Et voilà. Donc, comme c'était la dernière question, je t'en pose une encore. Brune ou blonde? Bah, toutes, hein, qu'elle soit brune ou blonde. Hein. Tu prends tout ce qui vient, quoi. Non. Je sais pas, mais bon. Non. Mais maintenant, en tout cas. Et donc là, la vraiment toute dernière question, la der des der. Hein. Ouais. Ton type de musique préféré? Alors, un mix étrange entre le hip-hop US. Ouais. Quand je parle de hip-hop US, je parle pas de Florida, hein, parce que ça, c'est de la soupe. Non, je parle du Wu-Tang, Ice Cube, Ludacris, Jay-Z, des gars comme ça. Et le métal, le bon vieux métal, comme Metallica, Megadeth, AC/DC, Rage Against the Machine. Voilà. Tout ce qui envoie du lourd, en général. Quoi. Ouais, le gros truc bien bourrin. Ah, et Motorhead. Quel bon choix. Très, très bien. Très, très bien. T'as de très bon goût, Sylvain. Ouais, je te remercie d'avoir écouté ma biographie. Et mes questions flash. Voilà. Donc maintenant, je passe la main à... Je vais prendre la main. On va enchaîner. Ok, non, mais tu pourras quand même laisser terminer ma phrase, va. Hein. Termine, vas-y. Donc, je passe la main, donc, à Rock Mortis et à... Morin, voilà. Merci à toi. On va enchaîner hein, vite fait du coup. Allez, hop, on continue les questions. On va développer un peu plus les réponses ce coup-ci. Tu nous as dit juste avant que tu avais découvert la lutte petit, mais alors à quel âge exactement? J'avais 9 ans. C'était en 91, donc 9 ans. Allez, j'enchaîne celle d'après, Morin. Voilà, exactement. Et allez, va c'est faire une question sur deux. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est pour quelle raison tu t'es dit un jour qu'il fallait que tu t'investisses dans ce domaine? Alors, pour déjà, c'est un milieu qui me fascine. J'aime les arts martiaux de base, j'aime les sports de combat, les films d'action, tout ça. Et je trouve que le catch, c'est un mix assez unique et assez particulier. Et ça m'a donné tout simplement envie d'y investir, de voir également le marketing, la com et toute la manière dont les choses sont organisées. J'ai trouvé que c'était... très pro, très, très stylé. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Ça me plaît tellement que je vais essayer d'ajouter ma petite pierre à l'édifice qu'est le catch. Je sais pas si je l'ai accompli. En tout cas, je suis très content là où je suis aujourd'hui. Ah, moi, attends, juste, je ferai juste une petite parenthèse. Je pense que tu as quand même mis ta petite pierre à l'édifice parce que quand même doubler un message de promotion de Kofi Kingston, la classe. C'est magnifique. Ouais. Merci. Merci. On rêve tous de doubler alors, Kofi Kingston. Et également, une chose qu'on peut m'attribuer, et à personne d'autre, c'est la voix de John Barry Magnus, comme ceci, à l'antenne. Ça n'avait pas été fait avant, et ça ne sera probablement pas fait après. C'est unique. Voilà. Ouais, voilà. Et si ça l'est fait, je vais demander des droits d'auteur. Voilà. Style. Je demande le duo John Laurinaitis contre Booker T. Ah, on pourrait. Oh, here we go. He's gonna be my boy. Happy Grandma of History. On va passer à la question suivante. Quels sont les premiers lutteurs qui t'ont marqué lors de la découverte de cette grande passion?
Alors, je vais pas faire dans l'original, mais Bret Hart, forcément. Randy Savage, Macho Man Randy Savage et Mr. Perfect. Qu'on oublie un petit peu trop souvent, Mr. Perfect, d'ailleurs, si je peux me permettre. Ouais, et ce qui est bien dommage, c'est que son fils également est dans le roster de la WWE. C'est clair. Ils ont décidé d'appeler Michael McGillicuddy. Je pense qu'on le reverra. En tout cas, je le souhaite. Alors, ensuite, est-ce que tu utilises des commentateurs connus comme référence pour t'améliorer au micro ? Pas trop. J'essaye de faire les commentaires un peu à ma sauce, que ça soit bon ou pas bon. Mais il y a des commentateurs qui m'ont beaucoup marqué. J'aimais beaucoup ce que Gorilla Monsoon faisait avec Vince McMahon à l'époque. Joey Styles, parce que j'étais un gros, gros fan de l'ECW. Je trouvais que Paul Heyman également, quand il était aux côtés de Jim Ross pendant WrestleMania X7 et autres, avait un style qui me correspond assez, je trouve. En tout cas, qui me plaît bien. Ouais, Heyman, c'est vrai, avec un style un peu toujours à bout de souffle, comme ça, quand il commentait, c'était... Oh, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Un peu comme nous, en des fait. Interviews, des interviews aujourd'hui pour l'UFC, et je trouve que son enthousiasme, son énergie, son dynamisme, il se transpose n'importe où, qu'il fasse de la couture, du catch, ou du MMA ou autre. Je trouve que ce mec est génialissime. Bref, le mec Paul Heyman, c'est un dépanneur, il arrive vers ta bagnole, elle refonctionne. Quoi. Ah bah ouais, il te branche les câbles, il te recharge la batterie sans câble. Enfin non, il est incroyable. Je le vois bien commenter les couturières. Quel ourlet! Oh, ourlet magnifique! What? Point de croix! What? Un ourlet! Le canevas est pratiquement. Le champion du monde de curling! Alors, Sylvain, est-ce que tu es toujours un aussi grand fan de la WWE au jour d'aujourd'hui, ou ton métier, aussi professionnel qu'il soit, a pris le dessus? Aujourd'hui, il n'a pas pris le dessus. Quand je travaillais sur Catch Evolution, qui était mon bébé, hein, faut le rappeler, j'étais dans l'obligation de suivre tout ce qui se passait, que ce soit à la WWE, à la TNA, à la Ring of Honor, à la New Japan, UFC, Bellator, Strikeforce, Dragon Gate. C'était quasi l'overdose quand même, parce que ça m'obligeait d'être à fond sur tout. Au final, c'est presque une bonne chose que ça se soit arrêté, parce que je pense que j'en aurais eu marre. Mais aujourd'hui, non, à fond, toujours fan de la WWE, donc waouh, tout va bien. Et alors, par contre, est-ce que tu aimerais un jour commenter en Angleterre ou aux USA? Bah, je participe déjà à un podcast en anglais, Ministry of Slam, mais commenter des shows de catch, ça me plairait bien. Je pense que ça me demanderait un peu d'ajustement quand même, parce que même si je me sens, je le dis comme ça, et je me sens aussi à l'aise en anglais qu'en français. That's the truth and nothing but the truth. Mais je pense que ça m'obligerait, surtout au niveau de tempo, à m'aligner, quoi, parce que j'aurais peut-être tendance à être un petit peu lent dans mes commentaires. Je parle quand même un peu plus vite en français. Ouais. Que ça me demanderait un petit ajustement. Moi, je suis sûr qu'en me donnant ma chance, je pourrais plutôt pas mal m'en sortir. Nous, en tout cas, on voterait pour. Hein. À 200%. C'est vrai, vous êtes sympas, les gars. Sans problème. Sylvain, alors... président. Sylvain, président. Non, mais Sylvain Garnelec et Scott Stamford, l'un à côté de l'autre, c'est vendeurait. Moi, j'adore. Je surkiffe à l'idée d'écouter Superstars, moi. C'est vrai. Bah, écoute. Au mois de juin, là, je fais pas beaucoup de remplacements là dans les semaines à venir, mais au mois de juin, je suis booké pour remplacer Christophe pour un SmackDown et un Superstars, si je ne m'abuse. Il devrait y en avoir d'autres par la suite. Hein. D'ici cet été, il y aura que deux petites émissions, mais stay tuned, ladies and gentlemen, parce que je serai de retour de toute façon au micro. Il y a des chances. Voilà. Et on l'espère bien. C'est vrai qu'il faut dire qu'on a la chance d'avoir très bons commentateurs de catch en France. Et voir en anglais, en version originale comme ça, je demande à voir. Ça doit être assez sympa. Ouais, j'imagine. Bah, c'est vrai qu'entre Philippe, Christophe, Célian, Marc et autres, ces mecs-là sont vraiment très bons. Donc, j'aime ta modestie, tu te cites même pas, vachement modeste. Oui, mais je peux pas vraiment me citer parce que moi je suis pas commentateur à plein temps, contrairement à eux. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'eux étaient là quand le catch est revenu en France.
Moi, j'étais toujours outre-manche, donc je peux même pas prendre le crédit pour ça, je me permettrai pas. Je pense que eux, ainsi que les fans qui sont sur les forums, qui sont sur les sites web, qui se déplaçaient et qui se déplacent d'ailleurs toujours au show, sont directement responsables du renouveau du catch en France, et on vous en remercie, quoi. Moi et mes multiples personnalités vous en remercient. Alors, on va parler justement du retour du catch en France et un peu de l'image que le catch a pris. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'image du catch aujourd'hui en France? Je pense que l'image du catch US en France, elle est similaire à l'image que les Américains ont du catch en général. C'est un peu vu comme un sport ou comme un show de base, un peu d'abruti, c'est assez basique. C'est vrai que ça n'a pas une image très, très valorisée. Mais les gens reconnaissent quand même le travail des catcheurs, reconnaissent le côté show, le côté professionnel, la grosse machine qu'est la WWE. Maintenant, sur le catch français, les fédérations françaises, à mon avis, il y a un vrai problème, et je l'ai senti quand j'étais sur Catch Evolution, c'est les petites guéguerres entre les différentes fédérations. Il y a des fédérations qui sont devenues professionnelles, il y en a d'autres qui sont toujours au statut associatif. Il y a, à mon avis, mais bon, c'est humain, et puis c'est pareil dans tous les secteurs, à mon avis, il y a trop d'ego, trop de guerres d'ego qui font que, au lieu de s'unir pour donner une bonne image du catch et puis pour essayer de faire monter le phénomène, les gens se coupent l'herbe sous les pieds littéralement les uns les autres. Et au final, je pense que ça dessert la cause du catch en France. Ouais, c'est clair qu'il faudrait mieux de s'unir pour être plus fort à plusieurs que de. Ça semble logique, hein. C'est aussi simple. Aussi simple que de dire bonjour, mais bon, après, moi je suis pas dans leur godasse non plus, donc je sais pas quel. C'est surtout deux gros égos pour les deux grosses promotions françaises qui s'affrontent, en fait. Ouais, mais le fait est, les deux fédérations françaises, comme tu dis, qui s'affrontent, et d'autres, hein, moi je pense à d'autres, elles font toutes du très bon travail, à mon avis. Hein, je vais pas sortir dans la langue de bois parce que je sais que je suis pas apprécié par tout le monde. Et au final, j'ai envie de vous dire, ça m'est égal parce que je suis pas fan de tout le monde non plus, mais je vais même pas rentrer dans la controverse. Je pense juste que si tout le monde arrivait à bosser main dans la main, en tout cas, au moment où le catch était toujours en plein boom, ça aurait facilité la tâche à plein de monde. Aujourd'hui, vu qu'il y a une certaine lassitude dans le phénomène catch, c'est moins important. Donc on a peut-être loupé le train. On est tous restés sur. Enfin, ces fédérations-là sont peut-être toutes restées sur un quai de gare. Elles ont toutes pris des trains différents alors qu'elles auraient toutes pu prendre le même train et aller deux fois plus vite dans leur croissance. Je sais pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on recrute tout le monde, nous Catch au quotidien, et on crée la FWE, la France Wrestling Entertainment, et on fait péter les pyros et tout la totale. Voilà. Oh, ça serait bien. Ouais. Est-ce que je peux être le general manager? Sure. Parfait. Sure. C'est à toi que je pensais. Sure, you will. Si tu fais la voix de John Laurinaitis. Exclusivement. Si tu fais la voix de Laurinaitis. Pas de problème. Moi, je suis là pour gérer le show. Je suis là pour vous donner les combats que vous avez envie de voir. Et par contre, Sylvain, on te paiera en Toblerone. En Toblerone? Ouais. Bah attends, t'as parlé de bouteilles d'une certaine boisson tout à l'heure. Moi, ça me va, hein, ça me suffit. Hein. On va en whisky et Toblerone, là. Voilà. Non, mais sans passer pour l'image d'un poireau, vous pouvez me payer en navet ou en rue Tabaga. En rue Tabaga. Est-ce que tu veux qu'on paye en rue Tabaga et en topinambour? Ah ouais, des patates, des topinambours. Pourquoi pas? Tiens, maintenant qu'on parle patates, je vais passer à une question qui n'a rien à voir. Ouais. C'est une question que j'aime beaucoup. Belle transition. T'as vu ça? Et c'est une transition à la tire ardisson, ça. Les gars, il y a du ouais. Alors, si vous vous souvenez de la dernière interview qu'on a eue ensemble, j'adore Thierry Ardisson. Ouais. Bah, moi, vrai, j'étais pas vrai. Là sur la dernière interview, mais sur la première interview, mais j'adore aussi Thierry Ardisson. Ouais. Ouais. Thierry Ardisson, je pense qu'il a un des proverbes les plus vrais qui existent, c'est pas juste, mais la vie est injuste. Ouais, ouais. Ouais. Allez, ça casse l'ambiance, hein. Ça casse l'ambiance tout de suite, ça. Hein. Allez, si un fan, si tu vois un fan un jour qui te dit que le catch c'est pourri parce que c'est fake, tu lui réponds quoi? Alors, selon sa taille et son âge, je lui dis, s'il est plus petit que moi, je lui dis commence à courir. s'il est plus balèze que moi, je lui dis. C'est toi qui commences à courir.
Non, je lui dis soyons d'accord d'être en désaccord. Je te paye un verre. Voilà. Je te paye un rutabaga. Non, mais... Ouais, voilà. Mais plus sérieusement, on peut rien dire à ça. Les gens qui vont te dire que c'est pourri, que c'est fake, que c'est simulé, que c'est de l'esbrouf, ils ont tort. Forcément, parce que nous, on le sait. Mais ça sert à rien de rentrer dans le débat. Je leur dis non, non, pas tout à fait. Écoute, imagine que c'est un peu comme un théâtre de la violence avec des cascadeurs qui simulent des combats, comme tu pourrais le voir dans un film. Sauf qu'à la différence, là, c'est un show hebdomadaire et que toutes les semaines, tu les vois simuler des combats et prendre de gros risques hein, par la même occasion. Eh ouais. Donc, imagine-toi le que c'est un Santa Barbara de la violence. Voilà. C'est vrai que c'est pour ça que j'aimais bien cette question, parce que nous, à travers le site, on le voit tout le temps. C'est quand même, moi, il y a un truc, c'est, j'arrive pas à me rentrer dans le crâne, c'est que ça existe encore. Les gens qui disent ce genre de choses, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, mais ça existera toujours. Je pense que, comme ouais. Il existera toujours des fans, plus précisément des jeunes fans, qui croiront vraiment que The Rock et John Cena ne s'aiment pas dans la vie. Qui croiront vraiment qu'Undertaker et Triple H voulaient se tuer ouais. L'un à WrestleMania. C'est vrai. Mais... Ouais. Que, soit dit en passant, il y a une petite part de vérité entre ce que John Cena et The Rock pensent l'un de l'autre. Oui, ouais, même une grande part de vérité quand même sur, les ouais. Deux, sur ces deux-là. Hein. Ouais, mais regardez quand même les deux professionnels. Ils ne s'aiment pas et pourtant ils arrivent à travailler ensemble. Ah bah oui, parce que... Si je suis face à un gars à qui je dois simuler d'envoyer des crochets, des droites et des coups de latte, je pense que je simule rien du tout. Ils vont pas tant simuler que ça. Hein. T'as vu la tronche de Cena pendant ouais. Le match ouais. Les contusions sur le visage. Cena, 3 minutes de match. Hein. Cena a presque un cocard. Hein. Oui, c'est des choses qui arrivent. The Rock, bon, il a un petit peu, il a un petit peu rouillé. Il a fait beaucoup de cinéma, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Attendez, on a vu pire. Hein. Ah non, je pense que The Rock a pas tellement simulé. Il a pas retenu beaucoup de droites. Ouais, pense. Voilà, c'est ça. Ah, ils se sont dit, on y va à fond, quoi. Honnêtement, s'il avait envoyé des droites à 100%, je pense que le combat aurait duré 30 secondes. Hein. 18 autre, hein. Comme chez Monsieur Brian, 18. Ah là là, voilà. Ciao. Parlons-en. on va passer sans transition aucune. Comment tu commentes les shows à la télé? Plutôt de manière naturelle, ou est-ce que tu vas te la jouer in storyline, un peu comme Michael Cole et Jerry Lawler? Je suis fatigué. Oui, c'est ça, et Jerry Lawler. Si, c'est ça. Non, mais ouais. C'est ça. Ah, mais c'était un long week-end. Alors, c'est pas fini. En plus. Au départ, je pense que j'aime pas trop me réécouter parce que, primo, je trouve que c'est un peu narcissique. Mais il y a une vraie vertu dans le fait de réécouter ce que j'ai pu faire. Au départ, je me trouvais vraiment pas bon. Je suis assez difficile avec moi-même. C'était assez stéréotypé, c'était pas très, très fluide. Et puis au fur et à mesure, et puis là je pense que je dois le créditer directement à Christophe et à Philippe, ils m'ont mis à l'aise tout de suite, en me disant t'inquiète pas, vas-y on enchaîne, y a pas de souci. En me mettant à l'aise comme ça dans mes godasses, je me suis plus lâché au fur et à mesure, et ça s'entend, en tout cas je pense que ça s'entend parce que c'est des retours que j'ai eus. Ils me laissent carte blanche, Christophe est plutôt pro-heel, Philippe est plutôt pro-face. Moi, selon que je commente avec l'un ou avec l'autre, c'est un peu comme si je changeais d'avis tout le temps. Ça devient une petite gimmick à mon niveau, où un jour, Vicky Guerrero m'agace et le lendemain, elle m'enchante. Voilà. Tu selon t'adaptes. Avec... Voilà, je m'adapte. Et Célian également, hein, parce que quand j'étais sur Catch Evolution, c'est vrai que j'avais fait appel à Célian pour commenter les DVD de la New Japan. Célian, c'est pareil, on est vraiment dans des gros professionnels. Et de bosser avec ces gars-là, on apprend sur le tas. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai eu la chance qu'on me laisse apprendre sur le tas avec des pros. Donc, sur moi, quand tu parles de tas, t'es passé à autre chose que Vicky Guerrero. Oh, l'enfoiré! Parce que j'ai l'impression que tu te laisses plus beaucoup suivre là. Hein, pardon? Non, c'est que j'étais un peu perdu. Tu parles de tas, après tu parles de Vicky Guerrero. Comme ça se ressemblait. Attends, t'as vu les kilos qu'elle a perdu au fil des années? Oui, enfin, moi, c'est sa tronche. Ouais. Qu'elle est plus ou moins en train de reprendre, d'ailleurs. Ouais. Ouais, enfin, bref, hein, on la regarde. Il y a des catcheuses et des divas qui sont quand même, plus agréables au regard. Mais bon, n'allez surtout pas dire ça à Christophe. Oui, Christophe est amoureux de Vicky, effectivement. Je lui en parlerai mercredi. Oh, n'allez surtout pas dire ça à Christophe, ce qu'il fallait pas dire. Clash of Titans.
Dites-lui de ma part que je pense que Vicky Guerrero a deux problèmes. Premièrement, c'est sa voix, qui arrive à fissurer des fenêtres dès qu'elle parle. Et la deuxième, c'est qu'elle est quand même un peu verticalement déformée. Et c'est dommage. C'est une belle Et puis, elle a également... c'est une très belle expression. Merci. Je la réutiliserai, promis. Alors, regardez-la bien en face. C'est un peu comme Shawn Michaels. Elle a un œil qui dit merde à l'autre. C'est vrai. Et des dents aussi. Des dents en mode poignée de tiroir. Une de chaque côté. Ouais. Non, mais plus sérieusement, elle revient de tellement loin. Elle perd son mari, qui est une ça, par contre, c'est catch. Et le personnage qu'elle a réussi à se créer en quelques années, au début, on sentait qu'elle n'était pas à l'aise. Et aujourd'hui, elle est juste mais incroyable. Donc, waouh. C'est une grande dame du catch. Hein. On ne peut pas dire Madame Guerrero. Ouais. Mes respects. Alors, je vais enchaîner sur la prochaine question. Comme tu sais, Sylvain, tu as beaucoup de fans en France. Les fans de catch te connaissent. Tu es une star. Ah bon ? Eh oui. Alors, quel message aimerais-tu leur faire passer ? Oh, facile. On est une grande famille, tout simplement. On est tous des fans de catch à la base. Certains ont réussi à en faire un job. D'autres continuent à acter pour le bien du catch en France, comme vous, les gars, hein, avec des podcasts ou d'autres, à écrire des colonnes sur des sites web. On est tous une grande famille. Voilà. Je pense que c'est... Ouais. Moi, je suis la meilleure des formules. Voilà. Moi, je suis tonton Riton dans la famille du catch. Voilà. T'es Patrick Sébastien. Je vous aime tous. D'abord, c'est cool. Les références à moi, c'est Thierry Ardisson, c'est Coé, c'est Cyril Hanouna, donc Patrick Sébastien. Ah oh, ouais. Si. J'ai failli cru entendre Cyril Lignac, j'ai eu peur. On va prendre une autre grande famille. C'est la famille peut-être que tu as pu te faire avec Catch Evolution. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens un peu de toute l'expérience que tu as pu avoir sur ce magazine? Alors, au niveau personnel, je vais parler de moi, les gars. Au niveau personnel, c'était une expérience super enrichissante. Ça m'a ouvert des portes. Ça m'a appris beaucoup sur le journalisme. J'ai continué à en apprendre encore plus sur le monde du catch. Je faisais quasiment tout seul. Je rédigeais les articles, je sélectionnais les photos, je travaillais les maquettes avec le maquettiste, je faisais la promo du magazine, je diffusais les messages sur les forums, je faisais les partenariats, les échanges de visibilité, les ventes d'espaces publicitaires. Et même avec tout ça, en essayant d'être le plus carré possible, j'ai eu plein de détracteurs. Donc un petit message à mes détracteurs, vous avez raison, et je suis naze. Voilà. Et c'était nul, tout simplement. Alors, non, je veux pas faire mon lèche-botte, mais j'ai déjà acheté une fois 4 chevaux. J'avais trouvé le magazine, une ou deux fois, je sais plus, mais j'avais trouvé vachement pertinent et comme par hasard, le mois suivant, il arrêtait de paraître. Donc j'étais dégoûté. Donc toi, t'avais acheté le numéro 4 avec le Miz en couverture. Ouais, et puis celui d'avant aussi. Avec Sheamus en couve. C'est ça. Ouais. Alors, le fait est, bon, on peut pas empêcher les gens de critiquer et surtout d'avoir leur avis. Hein, c'est leur avis, les regarde. Mais moi, en tout cas, ça m'a. J'avais ici un concept. Hein, en Angleterre, c'est vrai que le catch et le MMA sont deux frères ennemis, mais également deux cousins. Et il y a un magazine pour lequel je bossais, Fighting Spirit Magazine, qui s'appelle, à ne pas confondre avec les Toulousains de Fighting Spirit, à qui je passe le bonsoir quand même. Fighting Spirit Magazine cumulait et catch et MMA. J'ai essayé d'exporter ce concept en France. La mayonnaise, malheureusement, n'a pas prise. C'est bien dommage. Et pourtant, regardez, hein, Brock Lesnar, WWE, UFC, WWE, on a eu Bobby Lashley. On a eu Tito Ortiz qui était à la TNA, on avait eu Ken Shamrock à la WWF à l'époque. Ces deux sports, ces deux univers sont très liés, n'en déplaise aux puristes du MMA. Si je peux me permettre juste de rebondir sur ce que tu disais, justement, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de MMA en France, ça nuit au catch, et que le jour où le MMA sera en France, je pense que ça fera aussi remonter le catch. Tu disais que c'était assez lié, je pense que ça pourrait refaire peut-être le catch aussi. Peut-être dans un effet d'émulation collective, quoique l'UFC est diffusé chez mon employeur RTL, par le groupe AB. C'est vrai qu'on peut le voir sur RTL 9, ouais, mais on n'a pas de show, quoi. Ils viennent jamais en France. D'ailleurs, on a fait dans l'édito du dernier Fight Sport, on a fait un gros poisson d'avril.
en mettant que justement Dana White avait réussi à signer un show UFC pour le mois d'octobre avec Georges Saint-Pierre face à Clermont en main event. Georges Saint-Pierre à Paris. Moi, je l'ai vu, Georges Saint-Pierre à Paris. On le connaît bien chez Fight Sport. J'ai vu Wanderlei Silva quand il est passé au mois de janvier. J'ai fait son interview d'ailleurs dans l'avant-dernier Fight Sport. Tout est prêt, hein. Les planètes sont alignées en France pour que le MMA vienne. Il faut juste un coup de tampon du gouvernement pour que ça soit légalisé. Et ouais, aujourd'hui, on va attendre la fin des élections et ça passera, quoi. On l'espère en tout cas, ouais. Il faut en profiter que ce soit les élections pour lancer le truc, justement. Il y a une mission, parlementaire hein, sur le sujet, toujours en cours. Oui. Donc... Il y avait l'espoir avec David Douillet que... Mais bon, visiblement... Hey. Ça... Même un réfractaire comme David Douillet au départ, craqué, quoi, c'est quand même pas mal. On verra bien, la partie n'est pas terminée, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. De toute façon, on ne lâchera pas le morceau, hein, parce que je pense que ça manque cruellement. Et ça mérite d'avoir sa place en France. Parce qu'il y a un vrai potentiel pour qu'effectivement, ça fasse peut-être également monter le catch. Les gros shows à l'américaine. C'est clair. En tout cas, Catch au quotidien sera sur le coup. Et en parlant de Catch au quotidien, on voulait savoir si tu connaissais Catch au quotidien avant que l'on te contacte. Et si oui, ben, donne-nous ton avis sur le site. Alors, est-ce que je suis obligé de donner un bon avis ou pas? Non, pas obligé. Non, non, tu sois honnête. Alors, non, honnêtement, je connaissais. Je connaissais de nom, je connaissais également de réputation, parce que je suis quand même pas mal ce qui se passe sur les forums de catch, sur ce que les uns disent des autres, vu que tout le monde a un avis sur tout dans notre monde, petit monde du catch en France. Ce que j'aime chez vous, les gars, et je le dis très honnêtement, c'est le côté pro. S'il y a bien un truc qui me hérisse le poil dans le mauvais sens, c'est les trucs pas prêts, les trucs pas clean, les trucs pas carrés. Je suis un peu... Je suis assez pointilleux là-dessus. Et ce que j'aime chez vous, c'est que c'est également très carré et ça fait plaisir. Parce que c'est peut-être également ce qui dessert le catch en France, c'est le côté un petit peu amateurisme. Bah, plus merci. D'être pro, et plus ça donne une bonne image. Donc, keep up the good work, guys. Thank you very much. Beau, ouais, merci. Hein. Merci, ouais, merci, grand merci. On enchaîne encore sans transition. Tu nous as parlé un petit peu plus tôt de Bret Hart, de Randy Savage, de Mr. Perfect. On va venir plus au jour d'aujourd'hui. Quels sont les autres lutteurs que tu apprécies? Alors, j'aime beaucoup Jack Swagger avec son cheveu sur la langue. C'est pas possible. Mais si, c'est pas possible. Je t'assure. Jack Swagger, c'est un Kurt Angle bis, à mon avis. Il avait eu la ceinture, le World Heavyweight Championship. Il mériterait de le récupérer et j'aimerais le voir dans de vraies grosses rivalités. Je trouve qu'il a un super catch, il est super crédible, il est super technique, super dynamique. Dans le même style, un catcher qui, honnêtement, est à deux doigts du main event aujourd'hui, et c'est limite une travestie qui ne le soit pas, c'est Dolph Ziggler, qui est un monstre dans le ring. Le gars partait, il était dans le Spirit Squad. Et on le voit aujourd'hui, c'est il est à SmackDown, il fait des trucs absolument hallucinants. Moi, j'aurais aimé le voir parce que c'était un épisode de Raw que j'avais commenté avec Philippe. Quand il était intervenu face à Mick Foley, j'aurais adoré le voir dans un combat one-on-one face à Mick Foley, comme Randy Orton avait eu le rub face à Mick Foley à Backlash il y a quelques années de ça. Ensuite, bah, il y a CM Punk, tout simplement. Qui est monstrueux, qui fait super plaisir à voir, surtout quand on voit que lui, il y a quelques années, était au Hammerstein Ballroom à faire quelque chose devant 500 personnes. Son acolyte, Daniel Bryan, et un de mes préférés également, pourtant il a beaucoup de détracteurs, c'est Randy Orton. Si on le laissait être lui-même, si on le laissait être un bon heel, Randy Orton, ça serait une machine de guerre. En tant que face, je le trouve un petit peu moins crédible, mais bon. Et puis après, bon, bah, des catcheurs d'aujourd'hui, on a Chris Jericho, que je connais bien parce que je l'ai pas mal accompagné sur les tournées Fozzy. The Rock, forcément. Et puis, bah, voilà, hein, le monstre parmi les monstres, Brock. Pourtant, Brock, qui n'est pas le plus aimable des catcheurs. Hein. Sur Fight Sport, on avait fait une interview avec lui. On entend les mouches voler dans une salle. Alors, Jericho, très gentil ou pas?
Moi, je le trouve adorable. Ouais, ok. Non, parce que j'ai un petit cadeau pour lui. Il a l'air. J'espère qu'il le prendra bien. Voilà. Je te raconterai peut-être après la podcast. Écoute, de quoi ça s'agit. D'accord, normalement. De quoi ça s'agit ? Ça veut rien dire. De quoi ça s'agit ? Que ça veut dire que ceci ? En tout cas, je serai. C'est grave. Parce que vous le savez, pour les shows de Bercy, il sera en dédicace au Virgin Megastore. Voilà, exactement. Ouais. Ah, c'est important ça. Ouais. Parce que j'y serai à Bercy. Moi, je serai au Virgin. Eh ben, moi, je serai logiquement au Virgin si j'arrive à me libérer. Je serai évidemment à Bercy. Ah putain, je savais pas ça qu'il était en dédicace. Et moi, je serai à Tricot. C'est beau. Voilà. Oh là là. Tu viens d'illuminer ma journée, Sylvain. Bon, eh ben ouais. Et d'ailleurs, hein, je le rappelle, il y a encore des tickets disponibles. Hein. Donc, feu les gars, feu les auditeurs. Allez-y. Ah ouais, c'est clair. Faut le remplir ce Bercy là. Ah, faut le remplir. Moi, je verrai au dernier moment, vraiment au dernier moment, si j'y vais ou pas. Pour que la WWE continue à venir, il faut qu'on le remplisse. Exactement. Faut faire ouais, du. C'est un peu le Bercy de la dernière chance si on veut vraiment une grosse activité de la WWE en France. Quoi. La ouais. Chance. Non, je pense pas qu'on en soit non plus à un point où c'est make or break. Hein, je pense pas, mais bon, j'espère pas en tout cas. Mais non, il n'y a pas de raison. Attendez, on est encore sur les. Soit NT1 repousse un peu les horaires parce qu'ils estiment que tout ce différent, c'est plus intéressant que le catch. En tout cas, ça fait... Non, mais ça fait des audiences. Donc, c'est une télé. Hein, ils sont là pour faire de l'audimat. Mais on a toujours du catch en France. Hein. On en a sur ma chaîne Sport, on en a sur Eurosport, on en a sur NT1, on en a sur RTL9, sur AB1. Sur Catch au quotidien. Sur Catch au quotidien. Ça rime. Mais ouais, tout ça, tout va bien. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'ils savent qu'il y a un truc à faire en France et qu'ils sont pas prêts de partir. Hein. Ouais, c'est pas mort, attendez. Non, c'est clair. Oh, on a quand même quoi, 4 shows par année ? Bah voilà, justement, c'est une bonne moyenne. C'est une bonne moyenne. Ouais, c'est même plutôt bien. Hein. 4 shows par an, c'est franchement 2 SmackDown de Raw, ça va être. C'est, franchement, c'est. Il y a pire que nous. Hein. Ah bah ouais, c'est. Oui, il y a le Bangladesh. Il n'y a rien là-bas. Je veux dire. Alors, par contre, on va passer sur l'autre question, qui est elle aussi vachement intéressante, parce qu'entre nous, on en parle assez souvent. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la WWE par rapport à ce qui se faisait avant ? L'attitude era, tout ça. Alors, vu qu'il n'y a plus de compétition directe aujourd'hui, WCW, je pense que la Fed prend un petit peu moins de risques. C'est des storylines peut-être un peu plus basiques, pour certaines en tout cas. Et moi, je trouve que c'est un petit peu moins rock'n'roll qu'avant. Justement, dans cette espèce de controverse qui a été... créé autour de The Rock et John Cena, tous les jeunes catcheurs qui reprochaient au Rock de revenir un peu comme une superstar, de se la raconter, ceci, cela, doivent juste prendre conscience que fin des années 90 et début des années 2000, des gars comme The Rock, comme Steve Austin, comme Triple H, comme Undertaker, Mick Foley et d'autres prenaient des risques et souvent débordaient un petit peu de ce qui leur était permis de faire pour rendre le show un peu plus spécial. Alors, est-ce que la WWE a resserré la vis aujourd'hui ? Est-ce que si CM Punk lâche quelques trucs au micro qu'il ne devrait pas faire, est-ce que derrière il est sanctionné ? Ça, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le secret ou dans ces informations-là. Toujours est-il, les catcheurs actuels, même Jim Ross, dans son blog, le dit, prenez des risques, les gars, allez-y. Au pire, c'est vrai qu'on... Ouais. Au pire, ça plante. Au mieux, ça marche. Et si ça marche, il n'y a pas de raison que la WWE ne m'écoute pas. Au fil des années, on dit souvent la WWE ne pousse pas les catcheurs qu'on veut voir pousser. Alors, soit, dans certains cas, je suis plutôt d'accord. Ils prennent peut-être leur temps de temps en temps. Ils loupent peut-être quelques trains sur certains catcheurs. En règle générale, je pense qu'ils ont tout bon. Donc, aux catcheurs, maintenant, de prendre un peu plus de risques. Voilà, par exemple, ça, ouais. John Cena d'apprendre à appliquer un STF, Adolf Ziegler de ne pas hésiter à continuer à catcher de manière aussi agressive, Mark Henry de continuer à engueuler ses adversaires pendant qu'il leur met sur la tronche, enfin, d'essayer de se différencier un peu. C'est comme ça que Steve Austin s'est fait connaître. Quand il a été viré de la WCW comme un malpropre. La fameuse promo. Ouais, voilà, les fameuses promos. Bon. Soit c'était à l'ECW, mais ensuite, quand il est revenu à la WWF, à l'époque, il a dit
Ringmaster, ça ne marche pas pour moi. Laissez-moi tenter mon délire et regardez aujourd'hui, quoi. Enfin, regardez ce que ce mec a accompli. Donc, que la WWE prenne un peu plus de risques et puis que les catcheurs essayent, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Là, honnêtement, super facile pour moi de là où je suis de leur dire de prendre plus de risques, mais c'est peut-être ce qu'il faudrait pour que ça devienne un petit peu plus watchable. Parce que faut pas se leurrer, hein. Le catch était cool à une époque, ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a un show qui a pris le dessus, en tout cas aux États-Unis et en Angleterre, et je le vois, pour bien connaître ces deux pays, c'est l'UFC. Qu'est-ce que l'UFC a que la WWE a moins aujourd'hui? C'est des testostérone. Des bollocks. Et ouais. Des non, bollocks. C'est clair, c'est ça. Hein. C'est ça. La preuve avec l'avant-dernier, non, le dernier Raw, puisque c'est aujourd'hui le prochain, c'était plus musclé. Alors évidemment, il y a le retour de Brock Lesnar à la fin, mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on a des combats plus musclés et des gars qui j'allais dire, qui transpirent un peu plus, qui sont un peu plus vénères sur le ring et tout, tout de suite, ça prend mieux, quoi. Ça fait toute la différence, on est d'accord. On est d'accord. Ça prend bon. En espérant que, avec le retour de Brock Lesnar, de The Rock, ça semble s'améliorer quand même. Alors justement, là, on parle des grandes personnes qui font partie de l'industrie. Quels sont les lutteurs dont toi, tu penses qu'ils n'ont jamais eu leur place? Alors, il y a beaucoup d'opportunistes dans le catch, donc je ne pense pas qu'il y ait énormément de catcheurs qui n'aient jamais eu leur place. Il y en a certains qui étaient des vrais cancers en coulisses. Ça a été bien documenté. Ultimate Warrior, que moi j'adorais quand j'étais gamin, apparemment était un cancer. Ce mec est il est barré, il est barjo. On lui a tout donné. Moi je suis cancer, en plus ça pose un problème, non? Ouais, mais d'ailleurs après l'interview, on se donne rendez-vous sur le parking et on va voir. Challenge. Allez, hop. Mais vous apprenez juste que Sylvain Garnanec fait de la discrimination par rapport au signe astrologique, quoi. Par rapport au signe astrologique. Et les régions. Je n'aime que les Bretons et les Parisiens. Vive Paris, ouais. Et voilà. Plus qu'un petit 6-0 représente. Mais pardon. Qui a appuyé 6-0? C'est moi, j'habite dans le 60, moi. Voilà. Ah, le 60, c'est l'Oise? Oui. Ah bah moi je suis dans le Val d'Oise, tu vois. 80. Oh, t'es un voisin du dessous en fait. Voilà. Moi je suis au rez-de-chaussée, t'es au premier. Bon, on enchaîne. Alors. Allez, c'est parti. Ultimate Warrior, je pense, du fait de sa réputation en coulisses, a eu beaucoup de chance d'en arriver là où il en arrivait parce que c'était pas son éthique de travail apparemment qui l'a fait être connu. Et puis un autre qui a eu un WrestleMania Payday pour un mouvement et qui a même réussi à planter ce mouvement, c'est Nathan Jones, qui était en équipe avec Undertaker face à Lord Tensai, a.k.a. A-Train, a.k.a. Prince Albert, et le Big Show à WrestleMania 19. Ouais, c'était le 19. Non, c'était pas le 19. Oui, c'était le 19. Donc Nathan Jones et Ultimate Warrior. Et alors, point de vue plus global, sur les rivalités. Alors, quelles sont pour toi les rivalités qui ont été les plus intenses ou les plus incroyables dans toute l'histoire de cette industrie? Bret Hart face à Stone Cold, Stone Cold face au Rock et Diamond Dallas Page face à Randy Savage. Il y en a deux qui impliquent Stone Cold. J'adore ce catcheur. Bret Hart, tout ce qu'il a pu faire face à Shawn Michaels, face à Undertaker, face à Stone Cold, face à DDP, face à Sting. Je suis fan du catcheur et de sa carrière en général. Mais ces trois rivalités, ouais, sont celles qui m'ont le plus marqué. Et j'espère que la rivalité Brock Lesnar face à qui que ce soit à venir pourra rentrer dans mes annales du catch à moi. On pourrait rajouter peut-être Stone Cold, lui en rajouter une petite contre CM Punk aussi. Ça pourrait être... Le rendez-vous est donné, a priori, pour le New Jersey pour l'année prochaine. You want a beer? À voir. I'll be there. I'll be at WrestleMania next year. Ah bah on espère aussi. On vient avec toi. Allez. D'accord, ça marche. On parle justement là de ce qu'on aimerait voir, hein, avec un Punk face à Stone Cold. Et toi, Sylvain, si tu avais l'occasion de recréer l'histoire, donc plutôt par le passé, quels sont les outsiders que tu mettrais vraiment en avant?
Alors, Mister Perfect, parce que il a eu une belle carrière, que ce soit à la WWF ou à la WCW, mais je trouve que j'aurais aimé en voir plus de sa part, parce qu'il était incroyable. Owen Hart, franchement, moi, je reste beaucoup dans les Hart, hein. Voilà, si vous ne l'aviez pas encore compris. Et puis, MVP également, qui s'éclate en ce moment au Japon, à la New Japan. J'aimerais, et je pense de toute façon qu'à un moment ou à un autre, on va le revoir à la WWE. Excusez-moi, je suis grave. MVP que j'aimerais revoir à la WWE. Voilà, ouais, c'est sûr. Oui, MVP, oui, comme tu disais, je pense que ça se fera. Je pense assez très bientôt. Il y a sorti un match de rêve, quoi. Il me semble. Pardon, il me semble que MVP a sorti un excellent match il n'y a pas longtemps à la New Japan. Ah, oh ouais, bah il a le IWGP Middleweight, je crois. Et si je me plante, je vais me faire assassiner en ligne, mais c'est pas grave. Il fait un boulot d'enfer à la New Japan. Et puis également, du côté de la TNA, Samoa Joe, que j'adore, AJ Styles. Bon, la TNA, c'est un peu particulier, hein. J'adore la fédération, j'adore les catcheurs. En ce moment, je trouve qu'ils sont un petit peu à la peine, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Robert Roode. Je pense que si la WWE, de toute façon, cherche de nouveaux talents, il suffit d'aller frapper à la porte de la tienne. Je peux donner mon avis un petit peu élevé sur Samoa Joe, je prends deux secondes, hein, pas plus. Non. J'ai envie d'un jour de voir un match Samoa Joe contre CM Punk à la WWE, parce que rappelons-nous qu'ils avaient fourni un 5-star match en 2004, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et ouais, j'ai envie de revoir ces deux mecs-là sur un ring de la WWE ensemble pendant WrestleMania, quoi. À savoir. Ce serait énorme. Oh, ce serait des grosses rumeurs qui partent dans ce sens-là. Hein. Bah oui, moi je veux. Beau. Bah, je sais qu'à une époque, ils étaient très intéressés pour le signer. Steve Austin notamment et Jim Ross avaient envie de le faire venir. Ouais. Et puis Vince apparemment l'a vu et s'est dit bof, je sais pas trop. Ça, c'est des sources de Dave Meltzer, hein. Je les sors pas de mon chapeau. Dave Meltzer, c'est PWI, c'est le Wrestling Observer, c'est la blanc foiré qui a mis que 4 étoiles 3 quarts à Undertaker quand on joue pour les. C'est clair, elle va rester longtemps celle-là, je crois. Au bûcher, elle est en travers de la gorge. Ah ouais, mais bon, c'est Dave Meltzer. Là, moi, je lui laisse passer. Alvarez et Meltzer, c'est deux mecs invraisemblables dans le monde du catch au niveau connaissance. Et Dave Meltzer avait dit que Vince McMahon a vu Samoa Joe et s'est dit verticalement déformé, il n'y a pas le look qu'on recherche. Et puis ensuite, il est parti dans le. Vous vous souvenez quand il avait un tatouage sur le visage, qu'il avait un gros coupe-coupe dans la main et un espèce de pantalon de pyjama. Là, ça l'a complètement plombé aux yeux de la WWE. Et résultat, ils ont laissé passer. Puis ils avaient déjà Umaga à l'époque. Donc ils se sont dit, on a déjà un Samoan. Quel intérêt d'en avoir un deuxième. Ouais, dommage. C'était pas le bon timing, quoi. C'était pas le bon timing. Peut-être dans le futur. C'est dommage. C'est dommage. Puisque tu parles de la TNA tout de suite, on aimerait savoir si tu regardes d'autres fédérations aujourd'hui. Alors visiblement, oui. Mais autre que la TNA. Je regarde la Ring of Honor. Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup l'UFC. De par mon travail au sein de Fight Sport, forcément. La New Japan, j'essaye de suivre également. La Pro Wrestling Noah, la Dragon Gate, et puis tout ce qui est MMA du style Strikeforce et Bellator. Ouais, ça en fait du latage de tronche à regarder quand même. Ouais, je sais. Tout ça. Et bien sûr, à l'époque, on l'oublie pas, la WCW. Ah, j'étais fan. J'adorais la WCW. Et surtout, bah, la Parka et Disco Inferno. Bah moi, la parka aujourd'hui, j'en aurais bien besoin parce qu'il pleuvait. Voleur de blagues. Et il pleuvait également à Paris. Hein. Ouais. Voilà. Il pleut partout en fait. Ouais. Simplement. Non, pas chez moi. Désolé. Non, ça va, hein. Alors, pour terminer, la question. Pour moi, en tout cas, quelle confrontation n'ayant jamais eu lieu souhaiterais-tu voir un jour se produire à WWE ou ailleurs d'ailleurs. Alors j'aimerais beaucoup voir The Undertaker face à Sting. Si The Undertaker. Pardon ? En chantant Roxanne sur le ring. Pardon. Ouais, mais c'est différent.
si Undertaker retourne à WrestleMania l'année prochaine, je vois pas vraiment contre qui il pourrait être opposé, mais j'aimerais beaucoup le voir face à Sting. Même si le match, avait eu lieu en 97, je pense qu'il aurait été génialissime. En 2013, ça sera peut-être un peu plus poussif, mais de les voir l'un contre l'autre dans le même ring, je pense que ça serait très spécial. Owen Hart aussi face à Jericho. Moi, j'aimerais voir un vrai combat de bagarreur. Samoa Joe face à Triple H. On sent que je les ai préparés quand même à mes notes. Shawn Michaels face à AJ Styles. Et puis Brock Lesnar face à Steve Austin. Ah, celle-là, c'est la plus probable. Oh, oui. Bon, enfin, que de grandes affiches. Ouais, celle de Owen contre Jericho, celle-là va être dure à produire. Et ouais, bah, ouais. Forcément. Et ouais, forcément. HBK contre AJ Styles, ça va être compliqué. Également. Ça va l'être aussi. Ouais. Bah, dans le catch évolution numéro 2, j'avais fait un top 10 des matchs de rêve. J'avais mis en tête The Rock face à John Cena. Visionnaire. Ah oui. Visionnaire, le Sylvain. Ouais. J'avais mis The Rock en vainqueur. Non, mais le truc, c'est que voilà, ça se trouve, c'est la WWE ont acheté Catch Evolution et ils se sont dit, oh putain, il est pas con lui. On va faire ça. Alors, il y en a plusieurs. On va se mettre plein les fouilles comme ça. Il y a plusieurs employés de la WWE qui l'ont eu, Catch Evo. Jerry Lawler l'avait eu. Un contact à moi le lui avait donné à New York quand il avait fait le Comic-Con pour ses comics, parce que Jerry Lawler, il dessine beaucoup de comics. Moi, j'en avais donné plusieurs copies à Jericho et aux autres membres de Fozzy. Sheamus également, je lui avais donné une copie de Catch-Evo. Qui d'autre? Et un cousin de Dwayne Johnson qui est... comment il s'appelle? AFA. AFA Junior, qui s'appelait Manu. Qui était, ouais, voilà, Manu. Avec qui j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des interviews, j'ai passé un week-end avec lui, avec la fédération de catch, de N-Catch, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Donc il y a plusieurs employés de la WWE qui l'ont eu, que ce soit la WWE à Londres ou ceux de Stamford directement. Donc allez savoir. T'as jamais eu d'appui de leur part, de contact après pour soutenir un peu le projet? Non, mais la WWE a une politique très claire. Ils ne donnent leur aval à aucun média non WWE. D'accord. J'étais indépendant à l'époque sur Catch Evolution. J'étais en aucun cas affilié à la WWE. Je payais les droits pour les photos, comme tout le monde. En revanche, j'étais pas affilié directement à la WWE. Quand je travaillais sur Catch Mag, qui était distribué par One Plus One, j'ai pas fait grand chose sur Catch One, mais j'ai un petit peu travaillé dessus. One Plus One faisait également le magazine WWE, c'était deux magazines qui étaient séparés. Parce que l'un était indépendant et parce que l'autre était le mag officiel de la fédération. Ouais, ils sont vachement centrés sur leurs produits officiels. Bon, ça, c'est compréhensible au moins. Ils essaient de... Ouais. Mais okay. Même si The Rock, John Cena fait suite à mon top 10 des magazines dans Catch Evolution numéro 2, je n'ai jamais touché de royalties. Quand on entend les rumeurs au niveau du buy rate en pay-per-view du dernier WrestleMania, ah, ça fait mal. Ah, 2 millions. C'est monté à 2 millions. Encore. C'est les prévisions selon ESPN, c'est 1,9 million. C'est 1 le double de l'année dernière. Voilà, 1,9 million, sachant que la WWE, on attendait 1,5 million, je crois, si je ne dis c'est pas ça, de bêtises. Ah oui, non, mais. Si c'est le cas, ça explose même tout ce qu'a pu faire l'UFC. Et ça faisait bien longtemps que la WWE n'avait pas. Dépasser l'UFC en termes de vente de pay-per-view. Donc, si c'est vraiment le cas. Et donc, en tapant en plus maintenant le retour de Lesnar, ça va y aller donc. Hein. On peut revenir sur une époque faste du catch. On y est peut-être. J'imagine trop Vince McMahon. Une époque faste and furious. Avec The Rock, le prochain Fast and Furious. C'est qui 6 et 7. 6 et 7. C'était de moi le jeu de mots, c'était de Lexus le jeu de mots. Bravo. Ouais, mais Fast and Furious, ça correspond bien au catch en même temps. Hein. Ouais, mais Fast en français. C'est vrai. Furious en anglais. Voilà toute la classe du jeu de mots. Oh. Je t'apprendrai un jeu de mots. Troisième degré de jeu de mots, là. Ah non, mais attends. Ouais. I'm committing verbal murder in the major third degree. Pardon. Non, mais en attendant, j'imagine bien Vince McMahon appeler Dana White et lui dire bon, bah, c'est foutu pour toi, mon pote. Ouais, tu vois, cigare qui va s'allumer quand il va voir les chiffres. Les deux se connaissent. Dana White est venu à Stamford faire la rencontre de Vince.
et voir un petit peu les opérations de la WWE. D'ailleurs, dans Catch Evolution numéro 3, j'avais fait une analyse précise de ce que l'UFC a repris au modèle économique de la WWE. On est en plein dedans. Hein. Pour l'instant, on n'a pas tort. Pour l'instant, j'ai pas tort, en tout cas. Donc, bah oui, attendez, je me passe un peu de pommade aussi, il faut bien. Si c'est pas toi qui le fais. Voilà. Comme voilà, on dit. Ça, hein. Donc, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait l'interview étant, je pense, close maintenant. Je pense que vous avez plus de questions, les copinous. Bah non, moi, on a fait tout le tour. Hein. Non. Voilà, donc maintenant, on va passer à une partie qu'on attend tous énormément. On va débattre un petit peu sur tout ce qui s'est passé à WrestleMania et ensuite. Alors, est-ce qu'on peut débattre en moins de 18 secondes ? Est-ce qu'on peut débattre en moins de 18 secondes ? Bah écoute, sur le match Bryan Sheamus, oui. On va essayer de débattre en moins de 18 secondes sur le match Bryan Sheamus quand le tour de ce match arrivera. Donc, on se le fait comment ? Est-ce qu'on se fait un tour de table ? Genre, toi, Alexus, tu dis Morin à toi, Babat à toi, truc à toi, et on a. Bah, je pense, nous à peu près, entre nous, on sait déjà à peu près ce qu'on pense les uns des autres. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ton avis, hein, Sylvain. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les bros. Mais... Ah oui, complètement, on est suspendu à tes lèvres. Totalement d'accord. C'est vrai ? Alors. Donc tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais dans WrestleMania, à ton avis, Sylvain ? Bon et le mauvais, déjà globalement, sans détailler. Alors, sans détailler, un super show, comme d'hab. Toujours spécial, c'est dans un stade. Donc ça, c'est peut-être une mauvaise chose parce que le bruit des spectateurs remonte. C'est pas comme une arène fermée, mais faut s'y habituer. La WWE veut des stades pour WrestleMania. Ça donne un côté quand même plus immense, plus épique. Donc ça, c'est une bonne chose. Niveau ambiance, c'est mon Skype hein, qui s'énerve. Hein, vous inquiétez pas. Niveau ambiance, c'est grandiose. Très déçu du premier combat, forcément, parce que moi, c'était un combat un peu David contre Goliath, enfin, un gros catcheur, très bagarreur face à un catcheur technique et rapide. C'était un clash de style qui m'attirait beaucoup, auquel on n'a pas eu le droit, mais to be continued. Hein. À mon avis, la rivalité n'est pas terminée, même si Del Rio, maintenant, a envie de se taper Sheamus, je pense qu'on n'en a pas encore vu. Ouh. Ouais. Non, vous ne connaissez pas ce port-là, l'ami. Désolé. Et on peut peut-être profiter de faire à la fois le WrestleMania et l'Euro du lendemain. Du coup, moi, j'aurais une toute petite question. C'est est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un double turn suite aux réactions du public, tout ça concernant Sheamus et Daniel Bryan ? Je ne sais pas. Parce que ça voudrait dire qu'ils abandonnent la storyline entre Daniel Bryan et AJ. Parce que là, c'est plus ou moins le cas, hein. C'est ce qui s'est passé à SmackDown, au dernier SmackDown. Ouais. Daniel Bryan, je ne sais pas si tu l'as vu. Si, ouais. je l'ai vu rapidement. Hein. Daniel Bryan a dit que c'était la faute d'AJ s'il avait perdu son match, tout ça. Le public qui chante yes, yes, yes. Donc là, gros effet de mode. Et Sheamus qui a attaqué l'arbitre. Donc voilà, on commence déjà à partir sur un Sheamus heel et un Daniel Bryan face. À voir. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est un petit peu pour redonner du. J'ai du mal à trouver mes mots. Disons, je suis fatigué. Hein, je suis plutôt jeune, hein, les gars. Redonner du peps. Ouais, voilà. Je pense que c'est pour redonner un petit peu du peps à la rivalité qui a quand même été drôlement négligée pendant WrestleMania. À voir. En tout cas, le yes qui est en train de devenir le nouveau what. Ouais. C'est génialissime. C'est génialissime et inattendu quand même, j'ai envie de dire. Parce que quand on pouvait voir Daniel Bryan prenant le titre, crier yes, 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 enfin, personnellement, moi, pas une seconde, j'ai imaginé que ça prendrait cette ampleur-là. Hein. Ah, mais moi non plus. Et je pense que c'est presque une bonne chose que le match à WrestleMania se soit déroulé de la sorte. Parce que maintenant, les fans ont un tel sentiment d'injustice vis-à-vis de Daniel Bryan qu'ils vont lancer ses chants systématiquement. Il est en train de devenir une star. À WrestleMania, après ce combat-là, pendant Kane Randy Orton, notamment, pendant le match Team Raw versus Team SmackDown, apparemment, hein, moi j'y étais pas forcément, mais j'ai beaucoup de contacts, notamment Christophe et d'autres qui pourront plus vous l'affirmer, des chants Daniel Bryan, des chants Yes, il y en a eu beaucoup à Miami. Donc c'est presque une bonne chose pour lui. Et en plus, ça arrive, ce qui est marrant, c'est que ça arrive pile au moment où John Laurinaitis annonce une nouvelle ère, la People's Power.
Et c'est là le public qui relance une mode directement venant de lui. Quoi. C'est ça, en plus. C'est... Alors que d'habitude, c'est plutôt la WWE qui dicte un petit peu ce que le public doit faire. Là, ils essayent. Là, c'est en train de prendre une ampleur de manière complètement spontanée et hors du contrôle de la WWE. Vu la manière dont ils se la jouent en ce moment à la WWE, je pense qu'ils vont monter dans le wagon et ils vont pousser Daniel Bryan. En tout cas, je l'espère. Ils sont obligés. Hein. Et ensuite, Kane Randy Orton. Moi, j'ai été très surpris du finish. Très surpris. Je voyais Randy Orton remporter la babyface, le babyface pop. A priori, c'est pas terminé parce qu'à Extreme Rules, on parle d'un match en cage entre les deux. Je pense que ça va être une manière de conclure un petit peu la rivalité. Je suis content pour Kane quand même parce que il le mérite. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'il gagne à WrestleMania. Mais bon, c'était un match qui aurait très bien pu être à WrestleMania comme à Cyber Sunday, à Backlash ou peu importe ailleurs. Hein. Il n'y avait rien de spécial dans ce combat-là. Qu'est-ce qu'on avait après? On avait le team. Alors, Cody Rhodes, Big Show. Moi, je suis déçu. J'aime bien le Big Show, mais j'aime beaucoup, beaucoup Cody Rhodes. Donc, j'aurais aimé le voir remporter la victoire. Bon, c'est pas grave. Là, c'est pareil. Je pense que c'est pas terminé. Donc, affaire à suivre. Team Long versus Team Laurinaitis. C'était un gros bordel. Il y avait. C'était un 6 contre 6, non? 5 contre 5 ou 6 contre 6? 6 contre 6. En plus, on rajoute les Bella Twins, on rajoute Vicky, on rajoute Oksana, on rajoute Hornswoggle. C'était un peu toute la mid-card de la WWE qui vient dans le ring. Mais c'était un combat qui avait quand même une portée importante. Parce que maintenant c'est l'ère Laurinaitis. Je pense qu'on va s'éclater avec des stipulations à gogo, à Raw et à SmackDown. Et moi qui suis un pro heel, bah, je ne peux qu'applaudir. Ensuite, on a eu Triple H Taker. Bon, là, je pense que c'est d'ores et déjà le combat de l'année. Quand on voit le dos d'Undertaker à la fin du combat, c'est effrayant. Et Shawn Michaels, en plus, je trouve qu'il a bien rajouté dans le combat. Il y avait un élément perturbateur qui était Shawn Michaels, qui a super bien joué son rôle. Très, très grande interprétation, j'ai envie de dire, moi. Mais c'est vrai que c'était magnifique. Ce qui est un petit peu... Si je devais, et c'est peut-être pour ça que Dave Meltzer ne lui a pas donné 5 étoiles, c'était un Hell in a Cell. Ils ne se sont quasiment jamais servis de la cage. Au début. Ouais, mais voilà, mais c'est tout. Ils ont dû s'en servir 2-3 fois. Le reste du combat, on était dans le ring et c'était, on s'échangeait des finishers et des coups de chaise. Mais bon, match était tellement, tellement puissant que finalement, c'est. Et j'ai juste envie de dire un truc. Move du match, le Spinebuster sur l'escalier. Ah ouais, et pourtant il l'a déjà fait. Hein. Batista l'avait fait à JBL, Great American Bash à une époque. Triple H l'a déjà fait à Batista aussi, je crois, dans le Hell in a Cell. Mais ouais, à chaque fois, ce move. Alors déjà, le Spinebuster de Triple H, c'est à montrer, non pas dans toutes les écoles de foot, comme dirait Jean-Michel Larquet, mais dans toutes les écoles de catch. Parce que c'est un Spinebuster de folie. Il n'y a guère que Arn Anderson qui le fait mieux, à mon avis. Oh ouais, les Spinebusters d'Anderson, ouais, c'est clair. Eh ouais, bah justement, là, on est old school. Hein. C'est clair. Puis d'ailleurs, entre parenthèses, le Hall of Fame, fantastique. C'est là que je regrette de ne pas y être allé cette année, de ne pas pouvoir y être allé, parce que de voir les Four Horsemen au Hall of Fame, ça aurait été quelque chose qui m'aurait donné des frissons. Mais bon. Moi, j'aurais hué. Tais-toi, Alex. Tu aurais eu Ric Flair, mais pas les... J'aurais fait des doigts à Ric Flair. Alex, t'as passé la porte d'entrée, c'est la même pour la porte de sortie. Donc moi, je t'invite à sortir dès maintenant. Rappelle-moi un truc. C'est qui l'invité aujourd'hui? C'est moi. Voilà. Moi, je suis comme Michael Muller. Je crois qu'il fallait pas l'inviter. Hein. Moi, je suis pas un très très bon invité. Hein. Non, mais enfin bon, bref, on va couper l'aparté parce que là, si on commence à partir sur un débat des Four Horsemen, je pense qu'on en a pour toute la nuit. Donc, le combat Triple H Taker, c'était phénoménal. Ensuite, Jericho face à CM Punk, waouh! Moi, j'ai adoré le combat, surtout la séquence de fin avec les contres, les contres, les contres, les contres. J'ai trouvé ça super fluide.
super bien travaillé. La stipulation, finalement, la disqualification qui a été rajoutée au dernier moment, je la trouvais un peu inutile. Mais bon, c'est pas bien grave. Faut savoir ne pas bouder son plaisir, je pense, quand on est fan de catch de temps en temps. C'est peut-être ça qu'on a tendance à oublier. Par c'est contre, là, je vais bouder mon plaisir. Flo Rida, qu'est-ce que je m'en fous, moi, de cet artiste? Enfin, j'ai trouvé que ça ne servait à rien. Bon, c'est WrestleMania, c'est un petit peu la règle du jeu. Par contre, l'autre groupe qui a fait l'intro de Cena, Machine Gun Kelly. Mais d'où ils sortent? En plus, le chanteur là avec son Marcel, ses tatouages, du haut de ses 20 kilos et sa casquette à l'envers, à un moment, il a sorti un truc au micro en parlant de la bataille des égos. Ouais, il disait qu'il espérait que Cena allait botter les fesses du plus gros égo ouais, voilà. Que le catch ait connu. Que Cena c'était l'underdog, etc. Si seulement The Rock avait pu se pointer sur la rampe. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Foutre un rock bottom à ce connard. Il a claqué un rock bottom sur la rampe, je pense que. Ah oh ouais. Non, mais c'est pas possible, Sylvain. Il y aurait brisé 25 os à peu près. Ah, c'est clair. Hey, it's anorexic time. Don't try this at home. Don't try this at school or on anorexic. Mais c'est pas bien grave parce que bon, ça fait partie du show. Moi, j'aurais préféré voir des artistes qui me correspondent plus. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ce qu'a fait Flo Rida. Ouais, mais d'un côté, enfin, d'ailleurs, il y avait le patron là, Punisher, qui nous engueulait en écrit pendant le WrestleMania Live parce que on trollait un petit peu les groupes avec Grail et bah avec tout le monde en fait. On disait bon, voilà, quand il y avait pas de retouche studio, forcément, ça avait moins de gueule, etc. Donc, il y avait le patron qui nous gueulait dessus à l'écrit sur Skype. Et... mais c'est vrai, quoi, je veux dire, c'était à chier. Ah, c'était inutile. Même, hein, on prend Machine Gun Kelly, je veux dire, on voit tout de suite qu'ils sont en live et pas en studio. Hein, la fille, on l'entend pas. Le mec. Ah, la fille, c'était horrible. C'était horrible. Ah ouais. C'était d'autant, ce qui était pire là-dedans. Je pense que, alors, en plus, on s'est tapé Brodus Clay. Alors, et ça, c'est un des. Si j'avais un seul vrai bif avec la WWE, c'est les stéréotypes. Somebody Call My Mama et on voit une nana sortir sur la rampe. Avec un gros fessier qui est censé être une référence aux mamas aux États-Unis et autres. Je trouve ça super limite. Et bon, quand je dois commenter des segments de ce genre, en général, je reste assez neutre. C'est pas ma cam, hein. Il y en a que ça fait rire. Et chacun son humour, hein. Mais je suis pas fan. Et entre Brodus Clay, entre Flo Rida, entre Machine Gun, whatever. On avait 15 minutes de show qui aurait pu servir soit au combat pour le World Heavyweight Championship, soit ouais. Pour Cody Rhodes et le Big Show. Cody Rhodes Big Show qui, je crois, était noté moins de 2 étoiles par Dave Meltzer. Ouais, mais Dave connaît... Il était assez sévère quand même. Ouais, mais il connaît son métier et puis il a des raisons plutôt cohérentes en plus. Parce que... Enfin voilà, donc ça c'était ce qui nous amenait au main event. Main event, c'était pas un combat de technicien. Je pense qu'on l'a vu. Le sharpshooter. Alors, moi qui suis en plus fan de Bret Hart, quand je vois le sharpshooter du Rock, je pleure. Mais on est d'accord, sinon ça reste du grand ça Rock. Ça reste du bourrin, hein, sinon. C'est... Ouais, mais c'est The Rock, il a jamais été. Ah, carrément. Tiens, mais ce qu'il fait, pour le peu qu'il fasse, je trouve qu'il le fait très très bien. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas trop en faire et bien le maîtriser, plutôt que d'essayer de faire 10 000 mouvements et ça donne un côté un peu décousu de la chose. C'est un petit peu ce que je reproche, finalement à John Cena. Quand on voit son STF, j'ai presque envie de voir William Regal intervenir et lui caler un gros STF, mais un vrai. Où on ne voit pas d'écart entre les mains fermées et le menton de son adversaire. Parce que là, il n'y avait rien. Ouais. Petite question en rapport à ça, Sylvain. Ouais. Est-ce que tu trouves que The Rock still got it? I believe he still got it. And we haven't seen the last of him yet. Yes! Yeah! Well, he wants to be a champion. I want to see him as a champion. So, bring it on. I want it too. Yeah. I want it too, yeah. More than anything. Boots else. To asses. Ah ouais. Boots to asses. J'ai acheté le t-shirt d'ailleurs. Ah, pas mal. Et si on continue en anglais, there's one thing I want to see.
Brock Lesnar. Winning against The Rock, winning against Cena, beating just everyone. Moi, je suis un Brock Lesnar fan. Hein. Je suis pro UFC, donc je suis pro Brock Lesnar. Alors justement, The Rock a annoncé lundi dernier vouloir le titre. Lesnar était de retour. D'après toi, est-ce que l'an prochain, WrestleMania 29, on pourrait les voir tous les deux en face à face en main event pour le titre? Oui. Oui, parce que à SummerSlam, je pense que le main event de SummerSlam se jouera entre ces trois gars, c'est-à-dire Cena, Lesnar et The Rock. Je vois pas un triple threat entre ces trois catcheurs, mais quelque chose d'assez similaire. En tout cas, je sais pas. Peut-être un rematch entre Cena et The Rock, s'il arrive à se rendre disponible entre ces trois, quatre films qu'il a à tourner. Ensuite, on a plein de choses à venir. Et moi-même, je sais pas trop sur quel pied danser. Et c'est ça qui est très, très intéressant, je trouve. C'est que, WrestleMania a été le week-end dernier. On a eu un Raw dans les pattes et on a déjà... On a déjà l'impression d'avoir changé d'univers, quoi. Ouais, des milliards de questions. C'est ouais. justement une autre petite question qui m'est venue, moi, suite à ce Monday Night Raw. La WWE a-t-elle reçu le message de ses fans en allant peu à peu vers la suppression du PG? Et est-ce que tu peux justement nous donner là-dessus ton avis? Je sais pas. C'est une très très bonne question. On sent qu'il y a des éléments quand même qui vont dans cette direction parce que sur le build de WrestleMania, il y a quand même eu des libertés qui ont été prises de part et d'autre et par beaucoup de catcheurs. On voit Jericho qui gaspille deux bouteilles de Jack Daniel's. Et on voit bien le Jack Daniel's à l'écran en plus. Hein. Et en plus, ouais. Même pas flouté. Je pense que sur certaines rivalités, ils vont autoriser les catcheurs à être un peu plus violents, rentre dedans. Il y a une chose également à prendre en compte. Le retour du PG était lié à deux choses. C'était la signature de la WWE sur un contrat avec Mattel, qui obligeait un petit peu la WWE à rester dans un côté PG, et le fait que Linda McMahon était en pleine course sénatoriale. En pleine course sénatoriale. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était très très malvenu d'avoir, de se rajouter des handicaps dans sa course au sénateur, qui a d'ailleurs échoué. Et accessoirement, c'était l'occasion aussi pour la WWE de se racheter une conduite après toutes les critiques qu'elle a eues après la tragédie de qui vous savez. D'accord. The Canadian Crippler. Mmh. Voilà. Bon, et ça, Chris Benoit pour les plus incultes. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon, ça, c'est une décision de la WWE. Ça leur a collé tellement de mauvaises publicités. Moi, à l'époque, j'étais pas en France, j'étais toujours en Angleterre. J'étais pas mal entre l'Angleterre et les États-Unis. Ça avait fait un pataquès pas possible. Et c'était, à mon avis, pire que le scandale des stéroïdes en 92 avec Hulk Hogan. Parce que là, c'était particulièrement sanglant comme histoire. Ils ont réussi quand même un petit peu à faire oublier la chose. Donc on va pas forcément rester trop longtemps là-dessus, mais c'était chaud. Donc là, la WWE revient un petit peu sur un côté un peu plus rentre dedans. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de sang. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de fuck, bullshit and whatever. Il suffit juste que les rivalités soient un petit peu plus costauds, comme ce qu'on est en train de voir en ce moment. Et je pense que ça va faire revenir des fans qui sont partis vers l'UFC. Ça peut les faire revenir à la WWE. Et Lesnar n'est pas étranger du tout à cela. La WWE enquille les bons choix en ce moment. On est d'accord. Vraiment, ils enquillent vraiment les bons choix. Ils font les bonnes choses au bon moment. Ah, c'est génial. Espérons que ça continue. Depuis Money in the Bank l'année dernière, c'est comme ça. Depuis Money in the Bank, ils avaient une période où ils faisaient des bons choix, où les ratings augmentaient. Il y avait vraiment une émulation qui sortait. Il y a un élan. Pourvu que ça dure. Voilà, pourvu que ça dure. Donc voilà. Enfin, tout ça pour dire, le main event, super. Juste, super combat. The Rock still got it. John Cena, bon, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Moi, j'ai rien contre John Cena, hein, pour information. Il ne répond pas à mes critères du catcheur
du type de catcheur que moi j'aime voir dans un ring, mais c'est une superstar. Il n'est pas là par hasard. Et ces deux-là nous ont offert un super combat, je trouve. Et le finish, j'étais ravi du finish. Absolument. Moi aussi j'ai adoré. Si je peux me permettre de donner un petit avis, juste deux secondes, sur la toute fin du match Roxina. Oh, John Cena qui fait People's Elbow. Et oh putain, et si Rock qui se lève et qui fait un Rock Bottom qui dit ta gueule, tiens, mange. C'était un peu trop bâclé quand même parce que. Voilà, ouais. C'est un peu trop bâclé parce que ça déséquilibre le match au final, ce dernier finisher. Tu trouves ? Ouais. Je trouve que Cena a quand même été pas mal effacé. Bon, on sait, Cena a toujours paru comme quelqu'un affaibli chez quelqu'un d'autre, chez quelqu'un où il est détesté. Mais à ce point-là, non, j'y crois pas quand même. Alors, à un certain moment, j'avais l'impression que The Rock était quand même fatigué parce qu'il y avait des bear hugs que John Cena appliquait à The Rock et on voyait The Rock qui essayait de reprendre son souffle. Ouais, c'est vrai. Il y avait beaucoup de rest holds par contre. Hein. Ouais, il y avait peut-être un petit problème de cardio. Et puis quand il est monté sur le top rope, à un moment aussi, on le voyait. Enfin, moi, j'étais pas à Miami, donc je le voyais sur un grand écran en Angleterre. Je le voyais essayer de reprendre son souffle et on sentait qu'il était bon. Il y avait peut-être un petit problème de cardio, mais ça ne s'est pas trop vu. Pour tous ceux qui disent qu'il y aura un heel turn de John Cena, je ne pense pas. Toute façon, on l'a dit, hein, si heel turn il devait y avoir, il aurait eu lieu lundi dernier. Ouais, oui, surtout quand on voit le retour de Lesnar. Mais... Il en a joué. Moi, j'ai trouvé vraiment le main event pas mal, hein, le discours de Cena. Il en a joué pas mal de son heel turn. Bon, bah, peut-être. Ouais, chacun les choses différemment. Moi, j'ai envie de l'interpréter comme le remettre à ce soir. Puisque Brock Lesnar lui laisse pas trop le choix de répondre. Ouais, mais exactement. Tu vois, moi je pense que c'est peut-être, en tout cas je l'espère, c'est peut-être rebondir, enfin c'est peut-être reculer pour mieux rebondir derrière. Voilà. Donc, dans le sens. Pourquoi pas un heel-turn de Cena ce soir ? Franchement, ce serait le must que le pourrait faire pour cette fois. Je pense que le heel-turn de Cena est un processus beaucoup plus long qui s'inscrit sur du très long terme. Le personnage de Cena s'est construit sur des années. Le heel-turn va se construire aussi sur des années. Ça fait partie. La façon dont Cena a perdu en présence, en force, depuis Money in the Bank, il a toujours été en retrait depuis Money in the Bank, Cena. Il a perdu quasiment toutes ses feuds. Et je pense que ça, à long terme, ça va mener à un heel turn. C'est pas une construction à court terme. Là, tu dis à court terme, Money in the Bank, c'était il y a 8 mois. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. 7 mois pour être exact. Mais ouais, mais je pense, même comme Babat, qu'il faudra plus de temps que ça, ne serait-ce que. C'est parce que Cena, c'est un peu le symbole du PG aussi. C'est-à-dire que si tu fais passer Cena. Justement, c'est le moment. La WWE est en train de nous donner tous les indices pour la suppression du PG. C'est le moment qui. C'est pile le moment. Je pense que ça pourrait trop brusquer, en fait. Non, mais. De toute façon, si on fait un turn basique, style je défonce tous les faces de la WWE. Limite, c'est tous les faces qui passeront pour des heels, tellement Cena a un impact auprès du public. Donc, il faut quelque chose qui soit beaucoup plus profond. Et ça peut. Je trouve que c'est encore trop juste maintenant. Je pense que ça va se faire de manière assez subtile également. Donc, on va voir. En tout cas, il y a beaucoup de questions, beaucoup de points d'interrogation. Et c'est pour ça que c'est le moment de regarder le catch. Hein. C'est le moment de regarder la WWE parce que waouh! C'est clair. Même en regardant les shows, on sent que dans les bureaux derrière, il y a une espèce d'atmosphère, il y a quelque chose. Quoi. Ouais, mais apparemment, comme on a eu des news sur Catch au Quotidien qui disaient que les bookers, ils étaient pas en super. Enfin, ça n'allait pas super bien niveau moral pour tout le monde. Par exemple, j'ai oublié son vrai nom, mais Big Dick Johnson, là. J'ai oublié son nom, bref. Celui qui était Big Dick Johnson, là, le gros avec du monoeil partout. Là. Non, c'est pas Bruce. Non, merde. Oui, mais c'est un des bookers, quoi. Hein, des Bookers. C'est ça. Et apparemment, il disait qu'ils n'avaient pas tous été invités à la fête d'Apollo WrestleMania. Donc... Oui, c'est une petite crise passagère, ça. Il faut savoir que le post-WrestleMania, en général, c'est un petit peu un nettoyage de printemps également. Donc, les gens sont peut-être un petit peu tous inquiets pour leur place. Donc, à voir. En tout cas,
pour en finir sur WrestleMania, moi j'avais des étoiles plein les yeux, quoi. Et je suis à peine retombé finalement de ce buzz. Le fait que Lesnar revienne, qu'il y ait The Rock qui revienne, qui annonce qu'il veuille être champion, je pense que là, l'année à venir va être, je le souhaite, hein, va être démentielle. Et c'est pour ça que je suis très très heureux de savoir que je vais continuer à commenter du catch pour la télé française, parce que c'est une super année pour le faire, quoi. Alors, y a une chose aussi dont on n'a pas parlé non plus, mais c'est vrai que ça peut jouer sur le PG aussi, c'est Lord Tensai. Oui, c'est vrai, remarque. Parce que ce mec, il n'y va pas de la main morte non plus. En parlant de ce qui est retour, tout ça, anti-PG, etc., j'ai une question qui n'était pas du tout prévue. Hein. Je donne mes, Sylvain, mais on entend beaucoup de rumeurs quant à un retour de Batista. Ouais, bah, il était à Miami. Hein. Oui, il était à Miami, mais t'en penses quoi, un retour de Batista sous peu? Possible ou pas possible? Possible, très possible. Tu as envie de le voir ou pas, d'ailleurs? T'as envie de le voir? Moi, j'ai envie de le voir. Moi, j'aime beaucoup Batista. Et pourtant, il est limité dans le ring. Hein. C'est de loin. Mais il a une certaine carrure et une certaine prestance aussi, quand même, sur le ring. Et c'est vrai que moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Bah, écoutez, le fait est que la WWE ne semble pas avoir énormément confiance en ces jeunes superstars, en tout cas peu d'entre elles. Donc, s'il faut faire revenir du monde, autant faire revenir les gros noms et faire en sorte que ça oblige un petit peu ces jeunes stars du futur à un petit peu élever leur jeu. Le fait est, Batista était censé combattre au Strikeforce. Il avait signé pour 3 combats et les frères Fertitta et Zuffa ont racheté le Strikeforce. Donc ça, c'est du UFC, évidemment. Donc lui, il a perdu son contrat. Finalement, son contrat a été abandonné parce que Dana White n'a pas spécialement envie de voir un gars comme Batista dans les rings de l'UFC ou même du Strikeforce. Je peux le comprendre, hein, soit dit en passant. Batista, si moi je suis combattant de MMA, je le vois dans un octogone, j'attaque ses genoux, j'attaque ses épaules, enfin il est cassé de partout, donc c'est peut-être une bonne chose pour lui qu'il se soit pas retrouvé dans un ring ou dans un octogone, dans des vrais combats de MMA. Par contre, il a perdu énormément de poids. Oui, énormément de poids, donc je me demande s'il revient aujourd'hui avec ce physique qu'il a aujourd'hui. Si les fans ne vont pas... L'impact ne sera pas le même, quoi. Ça n'aura peut-être pas le même impact. Bon, après, encore une fois, je n'étais pas à Miami. Pour ceux qui l'ont vu là-bas, il a peut-être repris du poids. Hein. Bah, d'après les dernières photos qu'on a pu voir, pas trop. Hein. Ouais, franchement, par rapport aux photos d'il y a deux ans, plutôt un an et demi, je trouve qu'il en a repris un peu plus... Il a déjà une meilleure carrure que le personnage presque livide qui ressemblait à il y a un an et demi. Hein. Vous l'avez vu dans le chef-d'œuvre du cinéma qui s'appelle Wrong Side of Town avec Rob Van Damme et Batista? Non, j'ai pas vu ce film. Et Ja Rule, à cette époque, bah écoutez, tapez sur internet Wrong Side of Town, asseyez-vous, prenez des pop-corns, vous allez vous marrer parce que c'est. Il y a d'ailleurs Ja Rule également qui joue dedans et Batista qui lui fait sauter le caisson dans le film. Dans ce film, Batista est d'enfer. Et il était toujours baraqué. Hein. Il joue le propriétaire d'un bar de striptease. Et Rob Van Damme, il joue le rôle d'un défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est kitsch au possible. Ça, c'est un très très bon film dans la rubrique film bidon. Voilà. Nanar. Exactement, voilà. C'est un bon vieux nanar des familles. Grail est fan de nanar. Ah, moi, je suis fan des nanars aussi, hein. Donc voilà, Batista, moi j'aimerais le revoir en tout cas. Voilà. On aimerait, c'est sûr. Par contre, moi, contrairement à vous, je trouve qu'il a meilleure mine maintenant. Et je trouve que c'était un petit peu trop son époque WWE, même si à l'époque j'adorais Batista aussi. Et je revenais jamais sur son physique. Mais avec le recul, je me dis que quand même c'était un petit peu trop. Et que, je sais pas, il est plus équilibré comme ça, comme il est maintenant. Ouais. Ouais, ça faisait un peu too much avant, hein, je trouve. Ah, puis on voyait les veines. Ouais, c'était atroce. On aurait dit un cheval. On aurait dit un cheval de course. Mais c'est vrai que Batista, on aurait dit un cheval de course avec toutes les veines qui ressortent après 3600 mètres. Là. C'est ça, ouais. C'est exactement. C'était un petit peu comme une carte. Une carte, c'est biceps, c'était un peu une carte. Moi, j'ai discuté super brièvement avec lui en Angleterre une fois. En gros, il est super sympa. Super sympa comme mec. Et ma voix part encore en sucette. Excusez-moi.
Donc voilà. C'est le signe qu'il est temps pour nous peut-être de prendre fin au débat, puisqu'on en a à peu près fait le tour. What a transition. C'est beau, hein. All right. Yeah, sure, transition, sure. You're great, Morin. You're a great podcaster. You're very talented. Merci, merci. L'accent est le Picard. Présentateur. I believe, Morin, you are absolutely amazing. You should keep doing what you're doing right now. Thanks, but you too. Thank you. I know. Thank you. Pardon, je suis en train What's de mourir. Next, people? What's next? Let's What's next is the we gotta have a drink together and. What, now? Okay. Yeah, now. We all go to Paris and we have a drink together. Bon, alors c'est en donnant chacun peut-être notre mot de la fin qu'on va vous laisser ce soir. J'avais encore une autre partie sympa. Là. Ah, ouais, allez-y, monsieur Guernalec. Bah non, mais c'était vous là. Parce que, et justement, quand je parlais du professionnalisme de Catch au quotidien, je faisais également référence à ce transcript ou à ce déroulé qu'on m'a envoyé par email sur ma boîte personnelle avec. Un agenda finalement du show de ce soir. Il y a une dernière partie que j'aimerais justement que l'on lance, pourquoi pas, qui sont les questions. On break kayfabe tonight. Les questions babat. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. La merde. On s'était bien mal. Je vais retrouver les voilà. Et babat qui ne se manifeste pas en disant qu'on a oublié ces questions. Ouais. Je suis beaucoup trop modeste pour ça, Morin. Plus que ton jeu, babat. Non, ouais, mais c'est vrai, on parlait d'un instant tout à l'heure, là, c'est parfait. Là. On va finir sur du lourd, les bros, si vous voulez bien. Donc, je vais te poser, Sylvain, une vingtaine de questions, en gros. T'es pas obligé d'argumenter ton choix. Le mieux, justement, c'est de ne pas les argumenter. D'accord. Et tu as droit à un seul joker pour sauter une question. Ok. C'est ok? Fais péter, vas-y, c'est balance. Pas. Alors, qu'est-ce que tu aimes voir se produire en particulier dans un ring? Wardrobe malfunction. Et également, alors wardrobe malfunction, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand les divas ont des petits problèmes avec leur tenue qui révèle. Comme Rosa Mendes, entre autres. Oh, Rosa. Alors également, pour en revenir à du plus, inspire un bon vieux lariato. Une descente du coude et un yakuza kick. Ah oui, c'est pas mal là. Un petit Acai Moonsault, ça te plaît pas? Ah si, oui, c'est bien aussi. Ouais, bien j'y pensais là. Sorry. Voilà, c'est bon. À toi, Babat. C'est bon. Deuxième question, es-tu plutôt The Rock ou Stone Cold? The Rock pour le style et Stone Cold pour le côté rebelle. Ok. Yves Torres ou Beth Phoenix? Yves Torres pour m'envoyer un coup de latte entre les jambes et Bess pour la regarder catcher. Normal. Yves Torres pour un rancard, hein, tant qu'on y est. Pour un rancard, Yves Torres et Beth Phoenix pour le catch. Yves Torres pour le boobiche, quoi. Ouais, voilà. Ok. Quelle est ta catchphrase favorite? Alors, j'en ai plusieurs. Bah, celle du Road Dog. Oh, you didn't know? Your ass better call somebody. Il y a le woo de Ric Flair, le that's the bottom line de Stone Cold et le know your role and shut your mouth to Brony du Rock. Ah ouais, non mais. Du classique, quoi. Ouais. Es-tu lucha libre ou puro resu? Puro, moi je suis full puro resu. J'aime la lucha, mais vive le puro, vive le Japon. Et tu portes la parka ou dans ton cœur quand même? Et Disco Inferno. Ouais. Es-tu WWF ou WCW? À l'époque, WCW. Es-tu Eric Bischoff ou John Laurinaitis? Alors, je ne suis pas John Laurinaitis, je suis Controversy Creates Cash, Eric Bischoff. Super bouquin d'ailleurs. Ouais, il va falloir que je le commande celui-là. Oui. Aujourd'hui, tu préfères le Warrior ou Hogan? Hulk Hogan, mais j'ai pas envie de voir son film porno. D'ailleurs, au passage, vous savez qui l'a?
vous savez ce qui lui est arrivé quand même. Quand il s'est séparé de sa femme Linda, ensuite il a eu quelques aventures ici et là, dont une qui aurait apparemment été filmée. Et la jeune demoiselle en question aimerait revendre les droits de cette vidéo à un producteur de films pornographiques. Et as-tu vu ce qu'a dit Scott Steiner à Hulk Hogan sur Twitter récemment? Ah non. Eh ben, t'iras voir, parce que je peux pas tout résumer, c'est trop long, t'iras voir sur Catch au quotidien. Tu cherches dans les dernières nouvelles, il doit y avoir, je crois que c'est Scott Steiner allume Hulk Hogan, un truc comme ça. Ah cool. C'est du shoot. C'est un shoot sur Twitter énorme. Scott Steiner qui dit tout haut ce que toute la TNA pense tout bas. Tout le monde du catch en général même. J'ai dû le voir. Il y a eu un nouvel épisode récemment. Aujourd'hui ou hier, il y a eu un nouvel épisode dans cette affaire-là. Je vais aller regarder alors. Et voilà, si tu veux des infos, en général, on est assez rapide ici. Hein. Toujours. Ça marche. Premier sur le catch, bien sûr. De toute façon, aujourd'hui, qui n'a pas sorti sa sextape dans le monde du cash, quoi, je veux dire. Sylvain. C'est pour bientôt. On veut la sextape. La sextape. Non, il n'y a pas moyen, les gars. Désolé. Ok, on enchaîne. Quelle est ta prise préférée? Oh bah, pardon. Justement. Non, mais pas ma position préférée. On parle de ma prise de catch préférée, là, on est d'accord. Ah non, ça peut parler de la fille. Enfin, ta prise préférée, celle que t'as chopée, tu vois. Enfin, ta préférée, quoi. En tout bien, tout honneur. Ouais, le Stone Cold Stunner, tout à fait. Tu préfères être titulaire à la TNA ou remplaçant la WWE? Oh, c'est vache comme question. Les deux. Ok. Que changerais-tu dans le paysage du catch en France? Moins de guéguerre de bac à sable et plus de collaboration. À la place de Triple H, tu serais Stéphanie ou China? Stéphanie. Stéphanie à fond. Parce que justement, on parle de porno. China, c'est du Royal Rumble dans tous ses pornos. C'est beau. Dans le prochain, elle fait une parodie de la WWE en plus, hein, je crois. Ouais, j'avais ouais, lu ouais. ça aussi sur TMZ, un truc comme ça. Il y a un faux Triple H. C'est... J'ai pas envie de voir ça non plus. Hein. Pour ce qu'elle est devenue, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à perdre. Non, mais en plus, elle avait vraiment marqué le monde du catch. Et bon, après, elle est un petit peu partie en sucette et elle a du mal à revenir sur le devant de la scène. Donc, bon. Je croyais qu'elle avait marqué le monde du porno. Au début, je me suis dit ça. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Et pourtant, ouais. Mais bon, bref. Non, Stéphanie McMahon, qui a tout pour elle. C'est une très belle femme. Elle est très intelligente. Incroyable. Vénard, tu crois. Ouais. Tu préfères Samoa Joe kidnappé ou Eric Young champion par équipe féminin? Samoa Joe kidnappé, Joe's gonna kill you. Mais personne, ça c'est comme le Raw Anonymous, le Anonymous Raw General Manager, personne ne l'a jamais su. Idem pour Samoa Joe, on ne sait pas qui l'a kidnappé. Vaut mieux pas. Voilà. Si tu passes avec une soirée avec une diva, c'est qui? Ce qui montre que c'est un petit peu moins spontané parce que je l'avais préparé, mais bon, je m'étais dit. Alors, Trish de 6 à 7, Mickey James de 7 à 8, Yves Torres de 8 à 9 et Stacy Kibler de 9 à 10. Et après, Rosa Mendes, elle est où dans l'histoire? Ah oui, Rosa Mendes de 10 à 11. Miralo. Pobrecito. Non, mais alors, excuse, je viens de balancer les deux mots en espagnol qu'il connaît. Mais non, quand même, voyons. Mira, amigo, puedo hablar español también, si tu quieres. J'ai eu 18 au bac en espagnol, s'il te plaît. Oh. J'ai eu 20 à l'oral du BTS. Okay. Ouais, mais moi, je te... Non. Tu quoi? Je te dirai après. D'accord. C'est Rated R. Ça commence à devenir Rated R, ce podcast vaut mieux qu'il s'arrête bientôt. Rapidement. Une chose que tu détestes le plus dans le catch? J'ai touché dessus tout à l'heure, les stéréotypes vis-à-vis des nationalités. Il y a des Japonais aux États-Unis qui parlent américain.
Les Français n'ont pas tous des caniches et des baguettes. Les Canadiens sont pas et tous. Et le béret et tout. Voilà, les Mexicains sont pas tous des voleurs. Enfin voilà, je suis pas fan des stéréotypes comme ça. Ok. Si tu devais résumer ou vendre WrestleMania 28 en 5 mots. 5 mots, WrestleMania 28. Ouais. Show de catch absolument dantesque. Oh. Voilà. Et celle-là, je ne l'ai pas préparée, cette question en plus. Hein. Et si, une petite question en plus. Si tu devais doubler le message de prévention d'une superstar, ce serait qui? Laisse-nous te divertir, reste assis, reste tranquille. Franchement, tu vas te faire mal. Voilà. Ça va mal se mettre. Bon, bon, bon. Quelles seraient les 5 premières personnes de ton Hall of Fame personnel? Sylvain Garnalec. Au pire, il y a nous 5. Hein. Ouais, au pire. Au mieux, non, mais. Non, alors, plus sérieusement, Bret Hart, Stone Cold, Shawn Michaels. Bret Hart, Stone Cold, Shawn Michaels. Kevin White. Oh my god! Oh my god! Vince McMahon. Et Snooki. Et qui? Et Snooki. Ah bah oui, ah, Jersey sûr. Shore. D'ailleurs, vous savez que Jersey Shore va être adapté en France par TF1. Oh ouais. Là. Est-ce que vous avez déjà peu... Les Ch'tis à Ibiza, c'est pas l'adaptation française. C'est pas Hollywood Girls l'adaptation française de Jersey Shore, là. Non. Je sais pas, vous avez eu l'occasion de voir l'original? Yeah. Non, moi non. Non, ça passe sur NT1. Non, pas Jersey Shore. Je suis tombé là-dessus. L'autre jour, c'était... Non, non mais putain ouais, le Jersey Shore, j'ai déjà regardé un peu, je me suis dit non quoi, c'est pas possible, what the heck is that? What the fuck you could. Et dire say. Que ça marche. Oh, mais ça marche même méga méga bien, ouais. Le Jersey Shore c'est une série télé avec... Une télé-réalité avec des Américains tous plus ou moins je crois d'origine italienne, mis dans des... Guido, c'est-à-dire des Italo-Américains. Voilà. Dans des situations où ils vont avoir envie de se mettre des cuites pas possible et tout se fout sur la gueule. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est d'enfer. Ouais, c'est encore un beau programme ça. Voilà. Voilà, ça c'était mon rôle. Mister Perfect. Ah oui, effectivement. On continue. Si tu as une personnalité vivante ou morte du catch à interviewer. Je pense que je me pisserais dessus, mais ça serait Vince McMahon. Et quelle serait la première question? Est-ce que tu me reconnais, papa? Voilà. Daddy, it's magnifique. Voilà. Ah oui, joli, si belle question. Et si tout à coup le catch disparaissait, que ferais-tu à la place? Boire beaucoup d'alcool et regarder du MMA. Enfin non, on enlève la partie boire beaucoup d'alcool. Je pense que je serais désespéré. Je pense que ça ferait un gros vide dans ma vie. Et je me foutrais à fond sur le MMA, mais le catch reste ma passion à moi, quoi. Au-delà du MMA. On irait se saouler la tronche tous ensemble, je pense, de désespoir. Exactement. Punaise, ouais. Ça, c'est clair. Et enfin, pour finir, tranquillement, légèreté et tout, le meilleur de l'équipe, c'est qui? Obligation, sûr, comme la dernière fois. Non. Alors, attends. François Morin, Johan, Babat, Lectus et Pinot. C'est beau. Voilà, c'est beau, hein. ça c'est la meilleure des réponses. Et je précise que dans la version originale de l'interview, il m'avait nommé comme le meilleur. J'avais dit que nouveau podcast, nouveau classement. Voilà. Non, mais vous êtes. C'est fait au point, c'était pas réglo. Quoi. non, bonne réponse, très bonne réponse. D'accord. Bah, je pense que c'est une belle manière de clôturer cette bien belle interview, ma foi.
Ah oui, toujours aussi sympathique de te recevoir, en espérant te recevoir très bientôt pour un nouveau avec podcast plaisir. Ensemble. Avec plaisir. Bah, écoutez, désolé pour l'audio, pour la première interview avant WrestleMania. Que pourrais dire de... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à Christophe Ajus qui vient bientôt je sais pas. Mis à part l'hippopotamus, qu'est-ce que d'autre? Ouais, parce que... Ah, ça, c'est une histoire entre nous, ça. mais j'aime bien le chambrer là-dessus. Christophe, à très bientôt. On se verra à Bercy avec Christophe et Philippe. On sera tous là. Les gens reconnaîtront forcément Christophe et Philippe. Je suis curieux de voir combien de personnes ne me reconnaîtront pas. et c'est pas bien grave, parce que c'est eux les deux stars. Non, mais écoute, après que tu sois passé ici sur Catch au quotidien, peut-être que les gens voudront voir, entre guillemets, hein, bien sûr, à quoi tu ressembles en regardant ton Twitter, etc. Et ils te reconnaîtront grâce à nous. Voilà, puisque tu seras à Bercy, ils pourront venir te voir et te réclamer des autographes. Et donc, je vais rappeler donc, le Facebook de Sylvain qui est Sylvain Catch Evolution et le Twitter de Sylvain qui est @SylvainGuern. Exactement, SylvainGuern. Et moi, je terminerai là-dessus en disant bah, continuez le boulot, les gars, continuez le bon boulot. Je pense que on se reparlera très prochainement. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Et puis voilà, quoi. Encore une fois, un plaisir. Même si on l'a fait deux fois, cette interview. Partagé. Bah, tant mieux. J'ai pas trouvé ça redondant pour deux secondes. Donc, c'est génial, quoi. C'est cool. Et bro, je crois qu'on peut le dire, on intronise Sylvain Guern comme bro d'honneur de CAQ. Là. Ah ouais, complètement. Sylvain Guern fait Guern, j'ai partie des bros. Ah oui, un bro merci d'honneur, le premier bro d'honneur d'ailleurs. Ah oui, tu es le premier, Sylvain, tu es le premier bro d'honneur de l'histoire du et groupe des bros et d'histoire de Catch Quotidien. Et voilà. le premier d'une longue série, on espère. Tu es un peu le André the Giant de Catch Quotidien, quoi. Le premier Hall of Famer, tu vois. On est un peu plus petit. un peu plus petit quand même. Et ben tant mieux. Bah écoutez. Bon, un mot de la fin. Alors un mot de la fin. Here comes the. Non, ça fait plusieurs mots ça. Un mot de la fin, je dirais bisous à tous et à toutes. Johan. Moi je vais dire bisous aussi, je vois pas mieux. Babat. Couillère. Lex. Oh, Esturgeon. Esturgeon. Et un couillet d'aristocrate anglais. Couillet. Ah, c'est le couillère burgonde. Est-ce que Babat est le roi burgonde en fait dans voilà. Camelot. Et alors pour moi le mot de la fin sera antépénultième. Ouh. Voilà. Alors pour ceux qui savent ce que dire, ça veut dire avant-dernier. Voilà. Eh bien merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore à Sylvain d'avoir passé du temps avec nous ce soir. Merci beaucoup Sylvain. Ouais. Merci beaucoup. Merci à les gars. On remercie Pino de s'être occupé de l'enregistrement. Et Régis Pino aussi. Et Régis aussi d'être Régis, toujours présent. Voilà. Bisous bisous. Salut les gars. Ciao ciao. Poutou, salut. Bye bye. Transistor.